messieurs, bonsoir. Bienvenue au Théâtre Libre pour cette finale 2024 d'Apprentissage. Est-ce que vous êtes en forme? Vraiment en forme? Je suis très heureux de vous accueillir dans ce magnifique lieu inspiré des musicals de Broadway. Je pense que c'est le lieu idéal pour que nos apprentis expriment tous leurs talents. Ce soir, 12 groupes, les 12 meilleurs groupes de cette édition 2024, vont monter sur cette scène pour tenter de remporter le titre d'apprenti scène 2024. Mais juste avant, on va commencer la soirée en musique. Ce soir, c'est la fête, c'est une soirée de gala et on voulait la commencer comme il se doit. Ils sont derrière ce rideau, ils ont des voix de crooner. Ils vont nous interpréter le titre culte d'Elton John, I'm Still Standing. Merci de faire une ovation à Pierre Damon et Yannick Clerc. You can never know what it's like. You blow like wheat, your freezes just like ice. There's a chill on the night that shine from you. You read all we got, the eye you got, babe, that mask you use. I do a thing that fool could never win. But look at me, I'm coming back again. I got a taste of love in a simple way. If you know why I'm still standing, just you fade away. Don't you know I'm still standing better? Looking like a true survivor, feeling like a little kid. I'm still standing after all this time, picking out the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing. Come on. Yeah. I'm still standing. Yeah. Once I never could hope to. Started down the road and leaving me again. The threats you made, my man, to kept me down. And if love was just a circle, you'd be a clown by now. Don't you know why I'm still standing better than I ever did? Looking like a true survivor, feeling like a little kid. I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my. Bravo Pierre et Yannick, on vous retrouve en fin de soirée pendant la délibération du jury. Alors, les 12 groupes finalistes sont en train de se concentrer. Je peux vous dire qu'ils sont stressés, on peut les comprendre. Ce soir, l'enjeu est de taille, puisqu'il y a le titre d'apprenti scène qui est là, qui va se jouer en fin de soirée. Voilà, j'aimerais vous parler d'apprenti scène avant de poursuivre cette soirée. Apprenti scène, vous le savez, pour la plupart d'entre vous, c'est un fabuleux concept de valorisation de l'apprentissage à travers le théâtre comportemental. Le théâtre comportemental, ça aide à mieux s'exprimer, à prendre confiance, à gérer son stress, à écouter, à parler. Et surtout, ça aide à prendre confiance. Et la confiance dans la vie, vous le savez, ça nous rend meilleurs dans notre vie personnelle et professionnelle. Et donc voilà, c'est tous ces bagages qu'ils vont emporter avec eux au-delà de cette soirée. Et donc on est très très fiers de produire ce magnifique projet.
Et j'aimerais partager une information, alors je sais qu'il y en a déjà qui sont au courant, avec vous. Apprentissaine a été élu meilleur événement éducatif au monde en 2022. Je pense qu'on peut applaudir Pascal Sandoz et Olivier Motte, les fondateurs de ce projet, il y a 22 ans. Forcément, finale 2024, édition 2024, on doit commencer cette soirée par remercier nos partenaires. Nos partenaires grâce à qui nous sommes ici tous réunis ce soir. C'est grâce à eux qu'Apprentissane a lieu tous les ans. C'est grâce à leur soutien. Je voudrais vraiment remercier la CCI FIM Formation et la région Normandie. CY Alliance, Lop Commerce, Opco2i, Acto, AFT Transport et Logistique, la région Île-de-France ainsi que France Travail qui s'associe à cette belle finale 2024 pour notre plus grand plaisir. Alors, avant de poursuivre, je vais aussi vous donner quelques chiffres sur Apprentissane. Apprentissane, ce sont près de 900 apprentis venus de toute la France et même des départements d'outre-mer. Ce sont 2400 heures d'atelier, 103 metteurs et metteuses en scène, une équipe de plus de 50 personnes, 312 posts et 5000 stories sur les réseaux sociaux, une campagne média à 17 millions de contacts, 7h30 d'antenne en streaming. Et puis, Apprentissane, ce sont aussi des innovations. Deux innovations majeures cette année. La première, c'est que les alternateurs collaborent avec le laboratoire parisien en psychologie sociale de l'Université de Nanterre. Alors pourquoi ? Pour mesurer l'impact du projet sur l'estime de soi, la confiance en soi et les techniques de prise de parole en public. Parce qu'Apprentissane, forcément, ce n'est pas que les scénettes que vous allez voir ce soir sur la scène du Théâtre Libre, c'est toute la formation pédagogique voilà, que vont suivre tous les apprentis et qui va leur permettre, on l'espère, d'être meilleurs et plus sûrs d'eux et d'avancer correctement, avec plus d'assurance dans leur vie personnelle et professionnelle. Et puis, on a une deuxième innovation, c'est une grande, grande première cette année, avec le concours de notre partenaire Acto. Nous avons réalisé un grand casting national dans 15 régions, et notamment dans les départements d'outre-mer. Ce projet, c'est l'Apprenti Tour. Il a permis de sélectionner les groupes qui ont participé à la soirée donc Acto au Théâtre Libre il y a quelques jours. Et forcément, deux groupes sont là ce soir pour défendre les couleurs d'Acto. Et on espère, on croise les doigts, qu'il remportera un prix pour cette grande finale. Voilà. Alors, qui dit finale dit aussi jury et un jury prestigieux ce soir. Voilà, vous allez avoir la lourde tâche de départager ces 12 groupes sur la scène du Théâtre Libre. Ce soir, dans le jury, nous avons le plaisir d'avoir Samuel Arnold qui cartonne à la série Emily in Paris. Vous pouvez vous lever et vous pouvez aussi saluer la caméra juste derrière vous. On fait un coucou à tous les gens qui nous regardent en streaming, les amis. Bonsoir. Monsieur Thibaut Guély, donc le directeur général de France Travail, est parmi nous ce soir. Bonsoir. Il est accompagné par Pauline Calmes, DGA de la communication chez France Travail. Mathieu Mocor, délégué interministériel à la jeunesse, nous fait le plaisir d'être parmi nous ce soir. Il est scénariste de la série Demain nous appartient. Merci d'applaudir Alexis Baillet. Elle est coach spécialisée dans l'emploi et l'accompagnement pour les jeunes. Career Queen est parmi nous ce soir. Elle est la professeure d'expression scénique de la Star Academy. Applaudissons Cécile Chaduteau. La chanteuse Eugénie Musique est également parmi nous. Ainsi que l'acteur Théo Fernandez. Nous avons un chef ce soir dans le jury, Nabil Zemmouri. Il est le fondateur de la Ligue des Jeunes Talents. Merci d'applaudir Frédéric Coste. Nous accueillons également Pascal Picot, président des directeurs des CFA. Merci d'applaudir Emmanuel Lhuillier, chargé d'études et d'évaluation apprentissage à la Direction générale de l'enseignement scolaire au ministère de l'Éducation nationale.
Il est président des maîtres restaurateurs, monsieur Alain Fontaine. Christelle Malgénin, présidente et fondatrice de Job IRL, est également parmi nous. Merci d'applaudir Françoise Gérard, directrice générale adjointe de Centre Info. Et enfin, il est un des lauréats de l'édition 2023 d'Apprenti Scène avec son groupe du CEPROC. Merci d'applaudir Louis Poulain. Quel jury pour cette finale. Je vais un petit peu vous expliquer comment ça va se dérouler. Ce soir, on va remettre 5 prix. Le prix du public. Mesdames et messieurs du public, vous allez pouvoir voter ce soir pour votre groupe préféré. Je vais vous expliquer ça dans quelques instants. Il y aura également le prix spécial France Travail. Et enfin, le troisième, le deuxième et le premier prix, le prix Apprenti Scène 2024. Alors, je vous le disais, ce soir, c'est le grand soir pour nos 12 groupes. 62 apprentis vont monter sur la scène du Théâtre Libre. Et ils vont avoir en moyenne 4 minutes. 4 minutes, c'est mieux, 4, c'est bien. 4 minutes pour convaincre le jury, bien sûr, qu'ils ont leur place, qu'ils ont le potentiel et le talent pour décrocher un titre ce soir. 4 minutes pour vous toucher, pour vous émouvoir, vous faire rire. 4 minutes aussi pour vous transmettre un message. Vous le verrez, il y a des scénettes très, très, très fortes ce soir sur scène. Voilà, 4 minutes pour tout simplement nous toucher et nous confirmer qu'Apprenti Scène est un fabuleux projet. Alors ce soir, nos 62 apprentis sont avant tout acteurs. On peut les applaudir très, très fort. Alors, on va du coup ouvrir le rideau pour faire apparaître un QR code, parce que l'idée c'est que, messieurs, mesdames, donc dans le public, vous allez pouvoir voter pour votre groupe préféré ce soir. Le principe est très simple, vous scannez ce QR code et vous suivez les instructions, c'est assez simple. Et à la fin de la soirée, vous pourrez donc voter, cliquer sur le nom de votre groupe préféré. Donc notez bien pendant la soirée votre groupe préféré, et c'est à la fin, quand tous les groupes seront passés sur scène, que vous pourrez cliquer sur le nom de votre groupe préféré. Est-ce que tout le monde a scanné son QR code? Ok. Pour toi? C'est bon? Allez, il faut y aller là. Hein. Alors, il faut qu'on enchaîne. Hein. Ils attendent, ils sont stressés là, il faut qu'ils montent sur scène. Alors, vous allez voir un premier groupe sur scène avant de lancer la compétition. C'est un groupe hors compétition. Voilà, c'est un groupe hors compétition du CFA BTP Ruaille Malmaison qui va vous présenter une scénette sur le métier de peintre en bâtiment. Alors, grâce à cette scénette, nous allons participer à une première mondiale. Eh oui, dans cette scénette, s'est associée la créatrice de contenu Anaé qui va réaliser le premier live à l'intérieur d'une scénette Apprenti Scène en direct devant vous ce soir. Vous allez découvrir ça dans quelques secondes. Le groupe est prêt derrière ce rideau. Ils sont du BTP CFA Rueil Malmaison. Vous allez voir sur scène Timmy, Kevin, Owen, Alix, Exaucé, Clara et Anaé. Ils préparent un diplôme CAP peintre applicateur de revêtement, bac pro aménagement et finition du bâtiment. Leurs relais sont Bérangère, Edzan, Toupé et Jamil Louaï. Ils sont mis en scène par Olivier Motte et Clara Motte. Ils se préparent. Le titre de leur scénette, il y a R. On les applaudit bien fort. Coucou les puces, vous allez bien? Alors moi ça va super. Donc aujourd'hui, je rejoins où? Au Théâtre Libre ce soir. Je suis très 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 contente. Je suis Marseille et Lala. Bon, du coup, c'est moi la première mondiale. On m'applaudit ou pas?
est-ce que vous pouvez dire un petit coucou général? Ouais. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Donc apparemment, je dois monter sur scène. Je dois faire la métier. Non, pas du tout. Je dois faire la promotion du métier du peintre en bâtiment. Je m'y connais pas du tout, mais que dalle, quoi. Donc on y va? Je monte sur scène ou pas? Oui. Ouais. Allez, j'y vais. Ok, c'est ça, ouais. Mannequin. Bon. Je sais pas, on m'a dit que j'allais sur scène, que j'allais voir des peintres en bâtiment, apparemment. Qu'on allait parler de choses intelligentes, de la peinture. Mais bon, là, il y a R. Non mais attendez, mais qu'est-ce que c'est que ça? Non mais j'hallucine. Non mais c'est une blague. Non mais, alors là c'est pas R, c'est double R. Pour les boomers on sait jamais, R ça veut dire y a rien. Je vous aide un peu. Attends, waouh, attends. T'es qui toi? Je suis la déesse des peintres en bâtiment. En rénovation. Quoi? On dit peintre en rénovation, pas peintre en bâtiment. Oh oh, moi je vais vous parler de l'agriculture. Parce que peintre en bâtiment, c'est moche? C'est toi qui es moche. Peintre en rénovation, quoi? C'est pas bien compliqué? Bah, on va pas peindre des bâtiments. Pas que. Ah, oui, pas que. Non, mais faut appeler un chat un chat. Vous peindez quoi? On dit pas vous parlez. On dit quoi, gnugnugnug? On dit R, quand on a rien à dire. On dit peignez. Vous peignez quoi? Non, mais du coup, vous êtes quoi? Vous êtes coiffeur, vous peignez. Et pas de jeu de mots avec l'arrêt au milieu, s'il vous plaît. Non mais merde, c'est pas compliqué. Je vous avais dit qu'il fallait pas prendre une vidéeuse pour ce taf. Excuse me. Alors, influenceuse ou créatrice de contenu, si tu veux bien. Eh bah, tu veux pas influencer grand chose, ma vieille. Si tu te cours, t'es le titre du métier. Mais moi, je voulais pas de la culture, moi. Oh. Regarde bien ce truc-là. Tu sais ce que c'est? Mais je suis pas teubée. Un pinceau. Eh bah non. Ceci n'est pas un pinceau. C'est l'épée de l'art. Le pouce de l'artiste. Le doigt de Dieu. De la déesse, ça t'emmerde pas. Peindre ou ne pas peindre, telle est la question. Car avec cet outil, on ne peint pas. On esquisse, on réanime. Je décolle, je recouvre, je ravale. Je cours avec grâce de blanc. Ce mur qui devant moi se tient. En brandissant élégamment ce pinceau, depuis le matin. Fermement d'une seule main, j'applique avec extase la couche qui rénovera le parpaing. Pour qu'à la fin du jour, je touche. Mais moi, je voulais parler de l'agriculture, moi. Oui, bah on parle déjà de culture, là. Non, mais vous allez me dire que le métier de peintre en bâtiment, c'est du Rembrandt? Du Rembrandt? Du Chopin, oui. Chopin, les gars, Chopin. Parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit les hommes qui soient encore mis à... Ok, on a compris. Peindre, c'est comme de la musique, une composition, une orchestration, des notes de couleur. Un moment, tu y vas! Ce moment exact où tout bascule. Tu trempes, tu poses, tu tires, tu redéposes, tu retires, tu te recules et là... Ouais, je vous remercie bien. Moi aussi. Tu te rends compte que tu as découvert un nouveau monde? Une nouvelle planète? En poivre de Mars. De mangoustes, de sangliers. Tu as fertilisé une terre nouvelle. Mais moi, je voulais pas de l'agriculture, moi. Oh, c'est chiant. Tu vois pourquoi peindre, c'est pas R? Et bah, quelque part, si. Alors toi, t'as rien compris. Si, j'ai compris que dans peintre en bâtiment, il y avait R. Comme rénovation. Peintre en rénovation, faites votre révolution. Révolution! Un grand bravo au BTP CFR Rueil Malmaison, ainsi qu'à Clara et à Anaë et Olivier Mott. La finale commence vraiment avec le groupe 85, le premier groupe que vous allez voir sur scène. Du lycée Déodat de Séverac, Greta CFA 1166, avec Sarah, Marius, Alexandre et Bastien.
Ils préparent en BTS gestion des transports et logistique associée. Leur relais est Christophe Nobloch. Ils sont mis en scène par Ardo de Volonta. Le titre de leur scène être « Tout l'art d'adapter son langage ». Messieurs, chers clients, voici notre charte de qualité de transport logistique. Élaborée par et pour des professionnels. Elle représente la suivante. Partenariat. Elle associe l'ensemble des acteurs de la chaîne logistique. La qualité pouvant progresser qu'avec de bonnes relations. Entre ces acteurs. Simple et souple. Elle prend en compte les pratiques des entreprises et s'adapte à leur diversité. Transparente. Elle informe régulièrement chaque entreprise son niveau de qualité et les dysfonctionnements qu'elle engendre sur la chaîne logistique. Mesdames et messieurs, je sais que vous nous admirez d'ici au loin. Avez-vous saisi? Discerné? Et vous, assimilé? Mais que dis-je? Pénétrer notre charte de qualité de transport et logistique. Je ne vous entends pas, qu'avez-vous dit? Ou je suis sourd? Non mais attends Marius, attends. Tu vois bien que le public n'a rien compris. Mais je te méprends Alexandre. Le public a tout à fait embrassé Marius le... Permets-moi d'insister. Mais notre scène doit durer 4 minutes. 4 minutes? Ah oui, oh non! Oh non, 4 minutes! Oh my god, ils n'ont rien compris! On la refait, venez, on y va. Salut, gars! Mes petites dames! Coucou! Camarade de transport routier! Elle est tombée, elle est toute fraîche, notre charte de qualité de transport logistique! Elle amoure une barre! Pour des professionnels! Ils attendent ça de nous! Partenariat! C'est grâce à tous les gens qui bossent! Pour du bon boulot! Sois cool, man! Simple et souple! On n'est pas con! Alors on s'adapte! Transparente! Oh! On ne cache rien, nous! Même quand on fait de la merde! Oh! Sur la chaîne logistique! Mais tu vois, ma petite Sarah, il faut s'exprimer différemment. Nous n'utilisons pas la même sémantique que pour nos transporteurs, que pour nos clients. Marius, nous avons affaire à des élites. Où sont-ils? Il y a des responsables. Wow. Des patrons. Ah oui? Et même le jury. Il faudrait leur expliquer autrement. Mais comment ça autrement? Avec de l'art contemporain. Oh, de l'art contemporain. Partenarial, alter, ego, simple et souple, bête comme chou, transparente, translucide, vaporeuse, sur la chaîne logistique. Dit comme ça, c'est plus clair. Mais Bastien, tu parles en fait? Je fais comme tout le monde. Je m'adapte. Et oui, que vous soyez client, routier ou bien cadre, nous serons toujours communiqués. Parce que dans notre métier... Transport logistique... Adapter son langage... C'est de l'art... C'est du sport.
Un grand bravo au groupe 85 du lycée Loudan Sevrac et Greta CFA 1166. On poursuit cette finale avec le groupe 82 de Promotance Gonesse. Avec Louis, Lina, Augustin, Julien et Bilal, ils préparent en BTS gestion des transports et logistique associée. Leur relais est Johan Mazeri. Ils sont mis en scène par Lydie Marsan. Le titre de leur sonnette, On a la flamme. Nous sommes le 26 juillet 2024. Dans une heure, Léo Dupont, champion de triathlon, va s'élancer pour porter la flamme olympique jusqu'au bord de la Seine où se tient la cérémonie d'ouverture des Jeux. Le monde entier va te regarder, Léo. En tant que directeur du comité olympique, sache que je suis fier de toi. C'est normal que tu sois pas la flamme, ça se change pas la lumière, je parle dans une heure, moi. Quoi ? J'appelle l'alternant en charge de la logistique, Bilal, on check la liste. Oui, chef. Les médailles, les rubans de médailles, les drapeaux, les bouteilles d'eau, les barres de céréales, les t-shirts de l'équipe de France, les peluches mascottes. Regardez le talent, tout y est, chef. Regardez le talent. Et le support de flamme, il est où? C'est pas vrai. Il est noté, mais il est pas coché. Il y est pas. Mais comment ça se fait qu'il y soit pas? C'est le plus important. Il y était, on l'a perdu, je suis choqué. C'est un complot. Mais le départ, il est dans 50 minutes. Ne vous inquiétez pas, chef, on va trouver une solution. Non. Ah, non. Non. Ah, voilà, Lina Entreprise. Tout article olympique en livraison express. Allô? Oui, bonjour, monsieur le président. Oui, monsieur le président, tout est prêt, monsieur le président. Nous sommes conscients de notre mission, monsieur le président. Oui, monsieur le président, nous sommes fiers de nous, monsieur le président. Au revoir, monsieur le président. C'était le président de la République. On est professionnels, chef. Ne vous inquiétez pas, on sera à l'heure. Tenez, voici l'entreprise qu'il vous faut. Allô, bonjour. On a perdu le support de flamme, qui nous attend dans 40 minutes. Ok, parfait. Quelle dimension, s'il vous plaît? Hauteur, 50 cm. Diamètre manche, 5 cm. Diamètre coupelle, 20 cm. Quelle couleur? Doré ou argenté? Doré? Parfait. À quelle adresse? 1 avenue Pierre de Coubertin, 75 013 Paris. On y est dans 30 minutes. Oui. Oui. 30 minutes. Mais tu veux que je prenne un drone? Allez, prends ton camion, on compte sur toi. Je vous enverrai la facture par courrier séparé. Pourriez-vous m'envoyer un bout de commande, s'il vous plaît? Nous avons été surpris de recevoir cette commande à la dernière minute. Avec la perte de support de la flamme, nous avons été mis au pied du mur. Avec grosse pression, grosse gestion du stress, des milliards de personnes vont assister à l'événement. La livraison de la flamme olympique en 30 minutes était quasi mission impossible. Mais je me suis dit, le pays compte sur toi, t'as pas droit à l'erreur. Le monde entier viendra regarder l'arrivée de la flamme olympique sur les quais de la Seine. Monsieur, vous avez sauvé les Jeux. Oh,
bientôt suivre Léo Dupont. Ah ! Chef ! Léo, il a disparu ! Léo Dupont s'élancera dans 3 secondes vers les bords de la Seine. Mais puisqu'il n'est pas là, j'y vais ! 3, 2, 1... Transport et logistique, les héros de l'ombre qui font briller les projecteurs. Un grand bravo au groupe 82 de Promotrans Gonesse et on peut également applaudir nos deux musiciens qui jouent en live pendant tout le spectacle. On poursuit cette belle soirée avec le groupe 131 du CFA Henri Mann Formation. Avec Esteban, Jeanne, Kylian, Tanguy et Hermine, ils préparent un certificat de qualification pro barman, mention complémentaire sommelier. Leur relais est Maxime Favreau. Ils sont mis en scène par Raphaël Magnien. Le titre de leur scénette, Very Bad Client. Client de restaurant. Ne pas faire la vaisselle, chef. Négatif. Se débrouiller pour ne pas payer la note, chef. Double négatif. Vous devez être les rois. Premier principe, les règles d'or de l'apprenti client. Ici, ils n'en veulent qu'à votre pognon. Alors vous les payez pour être servis, ce qui fait de vous des princes. Chef, j'ai une question, chef. Quoi, le bleu? Est-ce que la volonté d'un restaurateur n'est pas que nous passions le meilleur moment accompagné des gens que nous aimons et de participer aux événements importants de notre vie, chef? Alors écoute-moi bien, la bleusaille. Je vais te raconter une histoire. Nantes, 1982. J'étais dans un restaurant de viande qui s'est transformé en vraie boucherie. Accompagnée de ma meilleure amie, une cliente parfaite, comme moi, chiante. On se plaignait de tout, de l'acné du serveur jusqu'au parfum des toilettes. Mais le service était tellement parfait qu'en partant, mon amie, la seule que je n'ai jamais eue, elle a laissé un pourboire et même un commentaire 5 étoiles sur Google. On n'a pas réservé, on est pressé, on est deux, on va s'asseoir là. Très bien. Je vais envoyer ça en cuisine. Si vous êtes pressé, je vous conseille le menu du jour plutôt que la carte. On prendra ce qu'on le veut si on le veut. J'essaie juste de répondre à vos attentes. Ce ne sera pas suffisant. Je vois. Désirez-vous une eau plate, une eau pétillante? Un apéritif? Une carafe d'eau. Gratuite. Et avec des pailles. Je vous apporte ça tout de suite.
Alerte aux clients, chiant, préparez-vous la cuisine, ça va secouer. Qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qui se passe? Des clients rois. C'est elle la plus dangereuse, ils sont deux. J'ai peur, j'ai trop peur. On va se faire tailler en jeune façon au bûchon. Mais qu'est-ce qu'on fait? On crache dans leur bouffe. On renverse le café sur eux. Et on se râpe les pieds pour le parmesan. On fait ce qu'on ferait, on fait de mieux. Faut qu'ils passent un bon service. Barman, ton meilleur cocktail. Serveur, au petit soin. Et sortez-moi les brownies tout chocolat. Mais non, ils sont ce matin. Et on les a même pas goûtés. Tu vois bien que c'est eux ou nous. Sinon, nous devons mourir ce soir. Il faut que ce soit dans l'honneur et la dignité d'avoir passé un bon service. Chef, oui, chef. Chef, oui, chef. Le bleu, plan d'attaque. Je change d'avis sur la cuisson de mon steak pour foutre le bordel en cuisine. Et tu renverses ton verre de vin sur la nappe. Je fais de grands gestes quand ils apportent le plateau. Et tu demandes des rinceaux à la fraise parce que t'aimes pas le citron. Je commande une carbo sans crème parce que je suis intolérant au lactose. Et tu finis avec ta putain d'assiette de fromage. Quelle violence. Je crois que je vais vomir ma carafe d'eau gratuite. Alors maintenant, à l'attaque. Toi. On n'est pas obligé de se battre. Oh, je ne renoncerai pas. Alors, à l'attaque! J'ai toujours su que ça finirait comme ça. Garde ton souffle. Ne parle pas. Tiens. Mange ça. Oh, sa mère la pute. Mais qu'est-ce que c'est? C'est trop bon, la pêche. Alors, j'ai accompli ma mission. Tu peux mourir maintenant. Oh non. Hulk triste. Hulk en colère. Ça s'est bien passé? C'était vraiment parfait. Ça, c'est pour vous et pour l'équipe. Merci beaucoup, nous vous souhaitons une bonne fin de journée. Bon, et maintenant? Ça ne finira donc jamais? La guerre n'est pas terminée. Tant qu'il y aura des clients chiants, nous garderons notre calme pour qu'on puisse les recevoir au mieux, car tel est notre devoir. Et qu'est-ce qu'on fait, ça? Apportez le hachoir. Ce soir, c'est tartare. La restauration, une équipe, des sacrifices, mais pour votre plaisir. Bah, vous direz que c'est très bon. Un grand bravo au groupe 131 du CFA Henri Mann Formation. Thank you.
On poursuit cette finale avec le groupe 55 de l'UNICEM Aura. Avec Carly, Galéane, Yanis et Matisse, ils préparent un brevet professionnel conducteur d'engin TP et carrière. Leur relais est Sylvie Firda. Ils sont mis en scène par Léandre Benoît. Le titre de leur scénette, Construire ensemble. Messieurs, dames, bonsoir. Nous sommes très heureux, mes camarades et moi, de vous présenter... Yanis ! Ouais ! Qu'est-ce que tu fais ? Viens là ! Ouais, j'arrive. Je finis juste les vérifs et j'arrive. Bah non ! Bon. Je disais, nous sommes très heureux d'être devant vous ce soir pour vous présenter notre métier. Alors, qu'est-ce qu'un conducteur d'engin ? Carly ? Oui ? Tu peux expliquer aux gens ce qu'on fait ? Ah non, non, moi je te dis... Ah si, si, Carly, tout le monde doit parler, c'est important. C'est important qu'on t'entende. Ah bon ? Pourquoi ? Parce que c'est une femme. Bah quoi ? Bah oui, tu m'avais dit par rapport le métier, les femmes et tout là. Ok, merci Mathis. Alors, Carly, on t'écoute, en quoi consiste le métier de conducteur d'engin ? Allez, s'il te plaît, plus fort. Alors, C'est bon, ça chauffe ? C'est bon, ça chauffe, t'es sérieux ? Quoi ? Quoi ? Tu trouves pas qu'il y a un problème là ? Là, 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 tu trouves pas qu'il y a un problème là ? Et quoi ? Bon, vas-y, éteins s'il te plaît là. Oh là là ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a encore ? Tu me dis de faire chauffer la pelle. Tu fais chauffer la pelle ? C'est quoi le problème ? Le problème, c'est que je t'avais demandé de le faire avant que ça commence, comme on fait tous les matins, je te signale. Oui, bah, j'ai oublié, c'est bon. Bon, Carly, on t'écoute. Moi, je peux expliquer si tu veux. Bon, bah, vas-y, Mathis. Alors, le métier de conducteur d'engin consiste à conduire des engins. Ok, super, ils font exprès. Bon, on va attaquer direct, ce sera plus simple, de toute façon, on a plus de temps. Carly à l'appel, Mathis, tu... Pourquoi c'est Carly à l'appel ? Parce que c'est une femme. Et ? Et alors, tête de nœud ? Mais comment tu parles, toi ? Oh, stop, les gars, là ! Mathis, arrête avec ça, t'es lourd. Yanis, on s'en fout qui c'est qui a l'appel, c'est pas important. Mais c'est mort, depuis le début, j'ai dit que c'était moi à l'appel. Non, c'est bon, Galéane, je m'en fous. Vas-y, Yanis. Bon, bah vas-y. Voilà, merci, femme au volant. Hop, 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 ta gueule. Tais-toi, parce que je sens que tu vas dire une connerie plus grosse que ton engin, là. Alors, mesdames et messieurs, le métier de conducteur d'engin consiste à réaliser toutes sortes de tâches. On ne fait pas que conduire des engins. On travaille aussi dans les carrières pour extraire de la matière première. Mais nous, principalement, on fait des travaux publics, ce que vous devez voir le plus souvent. Oui, d'ailleurs, j'en profite. J'aimerais vous dire un petit truc, là. Vous, les citadins, pour info, quand vous êtes dans les bouchons sur les quais de Seine, par exemple, que vous râlez, que vous insultez, que vous klaxonnez dans tous les sens parce qu'il y a des travaux sur la voie publique et que ça va pas assez vite, sans nous, il n'y a pas de voie publique, OK ? Sans nous, il n'y a pas de quais de Seine, OK ? D'un coup là. Parce que c'est une femme. Ouais, ta gueule. Allez, on se met au boulot. Donc là, Yanis est en train de creuser. On va poser des bordures, un trottoir, quoi. Mathis, fais attention de pas couper trop de béton, sinon ça va déborder. Hein. Voilà. J'ai dit, fais attention de pas couper trop de béton, sinon ça va déborder. T'es sourd ou quoi? Mais ouvre ton carreau, comprends ce que tu dis là. J'ai dit, fais attention à pas couler trop de béton, sinon ça va déborder. T'es sourd ou quoi? Oh mais toi, t'es toujours enfermé dans ta pelle comme un putain de teubé. Oh, parle bien, je suis sinon c'est ça. Attends, attends là. Vous êtes sérieux? Vous savez quoi? Mais démerdez-vous, m'avez saoulé là. Non mais c'est bon, allez, on y va. Non, c'est pas bon. On a répété cette présentation pendant des heures, tout était calé pour que ça se passe bien, mais vous gâchez tout, là. On n'y croit même pas, là. Lui, il guide un camion imaginaire, l'autre, il est perché sur des cubes. On est où, là? Vous savez quoi? Démerdez-vous. Je crois, en fin de compte, qu'on aimerait vous dire ce soir, c'est qu'on est fiers d'être devant vous, fiers de vous présenter notre métier, car c'est un métier passionnant. Nous sommes tous passionnés. Oui, il le faut, car c'est un métier difficile. Et peu reconnu, mais tellement indispensable. C'est vrai, nous sommes à l'origine de pratiquement tout ce qui vous rend chaque jour la vie un peu plus confortable. Par exemple, les routes que vous empruntez,
Pour aller en vacances ou partir au travail, bah c'est nous. Les pistes cyclables, c'est nous. Les aménagements dans les parcs, vos balades en famille le week-end, c'est nous. Les écoles où vos enfants étudient, c'est nous. Les hôpitaux, les gares, vos maisons, vos appartements, les boutiques, tous les lieux publics, sans notre intervention, rien de tout ça pourrait être possible. C'est une grande fierté de mettre notre savoir-faire au service des gens. Et même du monde, et nous sommes particulièrement fiers, Carly et moi, d'être devant vous ce soir et d'être les deux seules femmes de notre école et de prouver que oui, on peut être une femme et être conductrice d'engin. Et c'est à nous, la nouvelle génération, de bousculer les codes et faire taire les préjugés. Travailler ensemble, main dans la main. Construisons le monde de demain et devenez conducteurs d'engin. Un grand bravo au groupe 55 de l'UNICEM Aura. Suit cette finale avec le groupe 45 du CIFCA, avec Alissa, Quentin, Andine, Amidati et Thomas. Ils préparent un BTS Management Commercial Opérationnel, un BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client. Leur relais est de Mohamed Neki. Ils sont mis en scène par Lison Pinet, le titre de leur scénette Palais des Papilles. Allez les papilles, bonjour. Ici Marion de la Cour. Marion de la Cour du siège. Alors Virginie, ce chiffre d'affaires. Je ne mets pas la pression. Ouh là 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 là, la mauvaise pente. Le chiffre, le chiffre. Madame la Cour, j'ai des CV en tapisser les murs, vous savez. Je ne mets pas la pression. Mais pas changer, il n'y a pas à faire couler la boîte. Vous avez une grande affaire. Stop! This is real, this is me. I'm exactly where I'm supposed to be now. I'm gonna let the light shine on me. Palais des Papilles, bonjour! Ça va? Je vous dérange pas? Tic et tac, Beyoncé, MC Solar. Vous n'êtes pas au Palais des Sports? Vous êtes au Palais des Papilles! Bonjour madame l'accusée. Comment allez-vous? Vous êtes au Palais des Papilles! Excusez-nous madame. Nous sommes encore fermés. On fait la mise en place en musique, tout sera parfait pour l'ouverture. Pour le coup de feu de la chocolatine. Stop! Taisez-vous! Gardez votre énergie pour les clients! À ce propos, a very important patient passera à 14h. Marion et Timothée vous remplacent. Vous irez vous cacher. Déjeuner. Allez, secouez-vous, faut que ça pète au palais. À 14h ? L'après-midi, on est en vente. Et 14h, je vais avoir mon problème d'hypoglycémie, madame. Et ici, on dit pain au chocolat. La peau, c'est réglementaire. Bon, stop, cessez de vous plaindre. Dans vos pays, il y en a qui mangent même pas. Estimez-vous heureux d'avoir une alternance. J'ai des CV en tapisser les murs. Personne n'est irremplaçable. Quel pays, madame? Vous êtes interchangeable. La France? Je suis malgache. Eh ben voilà, la malgachie, par exemple. Madagascar? C'est pareil. À ce propos, amis, vous ne viendrez pas demain, mais vendredi, samedi, dimanche. Mais ce n'est pas mon planning. Il a changé. Il y a 10 minutes. Fallait le dire en arrivant. Allez, 3, 4, Palais des Papilles, bonjour! Palais des Papilles, bonjour! On sourit et on remplit la caisse. Aïe, mais je suis encore froissé le muscle. Il faudrait mettre de l'huile dans le mécanisme de la grille, madame. Déjà, en arrivant, ça m'a pincé là. C'est passé dans la fesse, là. Le nerf, le sciatique. Sciatique, c'est ça. Et puis le mouvement. Assis, debout. Stop.
Vous n'êtes pas dans un champ de coton non plus. À La Réunion, c'est des champs de canne. Coin, coin. À Sutray. Les champs de coton, ok. Vous faites allusion à l'esclavage, madame. La France l'a aboli à l'Assemblée nationale en 1794. Et en 1848... Stop donc... Cessez avec ce couteau. Vous me menacez, c'est ça. Je porte plainte pour attaque au couteau. Ici, vous êtes dans une boulangerie, chocolaterie, pâtisserie. Le pain des matins. Pensez à la feuille. Madame, il saigne. Je deviens tout blanc. Je le sens. Choisissez, blanc, noir. Vous êtes des bleus de toute façon. Bon, Quentin, n'en rajoutez pas non plus. Allez, grande folle. Allez, ma queen. Chauffez-vous. C'est grave. C'est un accident du travail. Et on n'a pas encore signé nos contrats. On va vous laisser. On va vous laisser. Vous avez un bon avocat, madame. Pour le palais de justice. Stop. Stop. Cette scène, pensez-vous, n'est que pure fiction, quelque peu caricaturale. Cependant, mesdames, messieurs, ce que vous venez de voir est inspiré de témoignages et de situations vécues et bien réelles. Nous sommes la MAT. Association des apprentis maltraités et harcelés au travail. Quand du travail, un an d'emprisonnement et 3 750 € d'amende. Nous voulons apprendre, quelles que soient nos origines, notre classe sociale, nos appartenances sexuelles. Nous voulons apprendre dans de bonnes conditions de travail, l'horaire, la pause, la prise en compte de la pénibilité, l'entretien du matériel et surtout le respect de la personne. En 2014, déjà 31% des apprentis en hôtellerie et restauration déclaraient avoir fait une tentative de suicide. Nous voulons des maîtres d'apprentissage bienveillants, passionnés et à notre écoute. Et qui ne soient pas eux-mêmes soumis à la pression. Nous ne voulons plus d'abus hiérarchiques. Article L1152-1. Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Nous les apprentis, si vous tenez à nous, retenez-nous. Un grand bravo, groupe 45 du CIFCA. On poursuit cette soirée avec le groupe numéro 6 du CRF 2S avec Axel, Alice, Emeline, Laura, Léonie, Zoé, Monica. Ils préparent un brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. Leur relais est Adélaïde de Cluseau. Ils sont mis en scène par Marc-Élie Pied-Daniel. Le titre de leur scénette, Mère ingrate. Vous avez un nouveau message. Allô ? Oh, c'est de répondre. Oui, c'est maman. Je voulais juste prendre des nouvelles de ton travail. Enfin, si on peut appeler ça comme ça. Hein. Je dirais plutôt vacances avec des enfants. Bon, allez, rappelle-moi quand tu sors de l'eau. Bisous. Non, mais je suis pas au travail, là. Je suis pas au travail ou je suis pas en vacances ? Non, mais je suis pas en vacances. Hein. Moi, je suis au travail avec des enfants. Oui, et alors ? Bon, les enfants, est-ce que tout le monde est là ? Ah. Monica, oui. J'ai un truc dans l'oreille. Mais qu'est-ce que t'as dans l'oreille? C'est pas moi, c'est Léonie. C'est quoi ça? Léonie, c'est quoi ça? Du Babybel. Du Babybel? Mais pourquoi tu lui mets du Babybel dans l'oreille? Pour faire un moulage. Tu vas arrêter tes expériences artistiques, s'il te plaît? Monica! Monica! C'est quoi ça?
Un galet ou un rocher? Un galet ou un gros rocher, peut-être. Et tu sais, moi, qu'une fois, avec ma petite sœur, tu sais, ma petite sœur, celle qui a le palmier sur la tête? Eh ben, on était en train de jouer, et là, il y a mon petit frère, tu sais, mon petit frère qui a les lunettes? Eh ben, il voulait venir jouer, mais nous, on était déjà en train de jouer à la patte patrouille, moi, j'étais le chien, et puis ma petite sœur, c'était le dauphin, et puis... Attends, fait... stop, je t'arrête. Je comprends rien à ton histoire. Qui était le dauphin? Ah, Léonie! Et tu vas où? Je pars. T'as plus besoin de t'occuper de moi. Et tu crois que tu vas aller où, là? Je vais construire un château, là-bas, pour y habiter. Non, tu reviens, tu vas faire ton petit château ici. Mais si, il y aura des inondations. Non, tu viens. Oui. Et ça me fait penser, moi, une fois, on est allé visiter un château avec ma petite sœur. Tu sais, ma petite sœur, là, celle qui a le palmier sur la tête. Et ma puce, tu me raconteras ça tout à l'heure, s'il te plaît. Oh, merci. Monica! Monica! Ce galet, il a été poli par la mer? Bah oui, certainement. Hein. C'est du quartz? Ça, je sais pas. Léonie! Oh là là. Mais qu'est-ce que tu fais? J'ai fait un gâteau de sable, t'en veux? Mais toi, pourquoi tu manges? Maman m'a dit que c'était un gâteau! Oh, mais tu craches, la crache! Monica! 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 Oui. Qu'est-ce qui se passe? C'est quand même un très gros galet, non? Oui, certainement. T'es sûr que c'est pas un rocher? Bon, écoute. Je sais pas. T'en dirais du quartz? Ben, écoute, je vais me renseigner. D'accord? Qu'est-ce qu'elle fait, Meline? Elle va peut-être construire un château dans l'eau? Ah, ça me fait penser. Moi, une fois, je suis allée à la piscine avec ma petite sœur. Et puis, elle avait pas pris ses brassards, donc elle a failli se noyer. Et du coup, y a quelqu'un qui l'a rattrapé, mais je sais pas trop qui c'était parce que je le connaissais pas. Mais vous allez où? Attendez-moi! C'est beau, la mer. Excusez-moi. Juste là. Monica, il y a le caillou, il veut te parler. C'est pas un caillou. C'est un galet de quartz. Oui. Vous regardez quoi? Je ne vois pas d'où je suis. La mer. C'est la première fois pour Emmeline. Alors c'est émouvant. Ça m'émeut de vous voir émue. Ça n'a pas l'air si facile, votre métier. Ah, c'est encore ma mère. Vous voulez lui expliquer à ma mère, s'il vous plaît? Oui, bonjour, madame. Je suis un galet. Je viens de rencontrer votre fille sur la plage pendant son travail. Je voulais vous dire que, de mon point de vue de galet, le métier d'animateur, c'est écouter, ressentir. Aimer sans trop s'attacher. Et parfois, oui, vivre des beaux moments. Mais c'est rarement des vacances. Pas vrai, Monica? Pas besoin d'être un galet pour le voir. Animateur, c'est une vocation. Bravo, groupe numéro 6 du CRAF 2S. Et on poursuit cette finale avec le groupe numéro 1 de l'IFA Marcel Sauvage, avec Oanel, Mehdi, Marion, Maxime et Pauline. Ils préparent un bac pro métier du commerce et de la vente.
Leur relais est Béatrice Follop. Ils sont mis en scène par Inès Chouquet. Le titre de leur scénette, On ne peut plus rien dire. Bon, votre attention s'il vous plaît. Alors voilà, c'est une fin de réunion. Je tiens à vous remercier pour votre présence et votre engagement au sein de l'entreprise. Car grâce à vous et votre travail, l'entreprise a de merveilleux jours devant elle. Et encore une fois, je tiens à vous en remercier et à vous souhaiter une très bonne soirée. À demain. Merci. Olive, ton cake était excellent. Ah ouais, un délice. Hein. C'est vrai ? Vous ouais, en voulez, ça fait trop pour moi. Non. Et Olive, merci pour mercredi, j'étais sous l'eau. Mais pas de problème, Agathe, avec plaisir. Bon, je file. À demain. Hop, s'il vous plaît, rasseyez-vous. J'ai oublié de préciser quelque chose. Mais il est tard, Yannick. Ça ne va prendre que 30 secondes, je vous l'assure, rasseyez-vous. Ça ne peut pas attendre demain, il est tard, là. Je veux classer cette affaire ce soir, donc rasseyez-vous, s'il vous plaît. Je vous remercie. Alors voilà. Il y a quelques semaines, on m'a fait part qu'un client serait assez insistant avec l'une d'entre nous. Et a été insistant à plusieurs reprises avec Oh là là, mais c'est pas vrai, ils sont toujours pressés, hein. Ils pensent vraiment qu'ils sont les seuls clients, c'est fou, ça. C'est le monde d'aujourd'hui, ça. Les gens n'ont plus le temps pour rien. Genre, je vous coupe, mais ce n'est pas ce genre d'insistance dont je parle. Ah bon ? Il y a plusieurs genres. Parce que moi, je suis pas avec tout ça. C'était mieux avant, moi. Ouais. Je pense que ce que Yannis veut dire, c'est qu'il a dû sûrement être lourd, quoi. Bah, lourd comment ? Peut-être qu'il était un petit peu trop démonstratif. C'est-à-dire ? Georges, le client a touché l'une d'entre nous. Oh, et alors, il y a parfois tout un fromage, plein de clientes me touchent, s'il vous plaît. Et j'en fais pas tout un scandale. C'est fou, ça, depuis MeToo, tous les hommes sont des agresseurs. Oh. Je veux dire, quand on voyait des miches à la télé, ça ne me choquait pas. Hein. C'est la fête, hein, c'est... Bon, Georges. Oui. Je pense que si l'une d'entre nous s'est manifestée, c'est que ça doit être important, n'est-ce pas, Yannis? Exactement, et Georges, s'il vous plaît, veuillez rester respectueux. Ah, mais s'il vous plaît, restez dans le respect. Et c'est pour cela que je voudrais mettre en place un protocole contre... Oh non, pas encore protocole, y'en a marre. C'est impossible. Bon, écoutez les zouzoupettes, le contact fait partie intégrante de la vente. Alors oui, mais pas tous les contacts, genre. De toute façon, vous êtes tous des pleureuses. Oh. Non mais ça n'a rien à voir. On ne touche pas les gens comme ça. On les regarde pas comme si c'était de la viande. De toute façon, on peut plus rien dire. Oui, bah ça. Le client m'a mis une main en fesse. Ah oui, carrément. Genre, super. Ah bon? C'est pas possible. Oui, je vous en avais déjà parlé plusieurs fois de ce client. Mais il t'a touché plusieurs fois? Non, juste une fois. Ah bah juste une fois, c'est pas si grave, non? Il a peut-être compris qu'il était allé un peu trop loin. Bien sûr que si, c'est grave, genre. Ce n'est pas parce que c'est arrivé qu'une seule fois qu'il faut minimiser la chose. T'es aigri, Agathe. Et malheureusement, c'est un peu le loup lorsqu'on travaille dans la vente. On fait un petit peu partie de la prestation, non? Fout, pardon. Ne le prends pas mal, Alice, mais tu es jeune et très charmante. Je pense que certains apprécient cela chez toi. Mais c'est enfin... un atout pour la vente. Oh, hein? Mais enfin, Olive, je suis pas une marchandise. Le service fait partie de la prestation, d'accord, mais pas mon corps, évidemment. Évidemment, évidemment. Ce qui arrive à Alice n'est pas un cas isolé, hein. Oui, c'est vrai, ça m'est arrivé une fois, un client a été un petit peu assistant, mais je voulais pas vous en parler, je voulais pas me plaindre. Ben voilà, faut faire quelque chose. Bon, s'il vous plaît, calmez-vous, on se rassoit, s'il vous plaît. Avant toute chose, Alice, est-ce que quelques contacts avec ce client aient pu être mal interprétés? Aucun. Ouais. Je traite ce client comme tous les autres. Il avait déjà eu des regards insistants et des paroles déplacées. J'avais alerté certains, mais bon, apparemment, tout le monde s'en fout. Non, mais... Attention, faut pas rejeter la faute sur la mauvaise personne. Alice n'a pas autant à se justifier. C'est le client le fautif dans l'histoire. Peut-être qu'il a simplement flashé sur vous, il a été maladroit, il essaie de vous draguer, c'est tout. Oui, il a simplement mis ses mains sur ses fesses. Eh ben voilà. Mais t'es déjà calmez-vous, ça va beaucoup trop loin. S'il vous plaît, on se calme. En effet, cette situation est plus qu'importante, et c'est pour cela que nous allons tout mettre en œuvre pour pouvoir vous aider, Alice. Et même vous, Jean. Et c'est pour cela que je voudrais mettre en place un protocole et une aide visuelle pour arrêter tout harcèlement sexuel. Est-ce que cela vous convient? Oui, merci. Et bah, autant mettre la clé sous la porte. Ah, mais voilà, arrêtez! Mais stop! Ouais! Harcèlement sexuel n'a rien changé! Yannis! Merci au groupe numéro 1 de l'IFA, Marcel Sauvage.
Cher public, il vous reste 5 groupes à découvrir ce soir. On poursuit la soirée avec le groupe numéro 19 de l'ILEPS de CY Sergi Paris Université avec Chloé, Jennifer, Justine et Tiffany. Elles préparent une licence aux sciences de l'éducation et de la formation. Leur relais est Claire Cruc. Elles sont mises en scène par Agathe Frédefond. Le titre de leur scénette, Les Moutards. Et quelle année pour le cinéma scolaire. Vous êtes tous ici ce soir dans vos plus belles tenues de soirée. J'en vois même qui sont venus sans leurs parents. Incroyable. Merci pour votre présence et merci pour la magie. Et sans plus attendre, passons à la première catégorie de ce soir, la catégorie de la meilleure chanson originale. Les nommés sont Ali McBeal pour « Quand est-ce qu'on arrive ?» Isabelle Super pour... En fait, maman, elle a pas compris votre mot dans le cahier, du coup, elle l'a pas signé, elle m'a dit de vous le dire. Et le moutard de la meilleure chanson revient à... Ali McBeal. C'est un classique qui a repris Ali McBeal cette année. Mais sa réinterprétation de 8 heures pendant un voyage en classe jusqu'à Pézenas a vraiment bouleversé le jury. L'Académie, c'est un projet audacieux et on l'a fait. Je voudrais remercier mes parents, ma grand-mère sourde qui m'a permis de m'entraîner. Je voudrais aussi remercier mon petit frère qui m'a tout appris, la rythmique, tout. Je voudrais aussi remercier ma maîtresse, car c'est sa patience qui m'a fait tenir. Donc voilà, un rêve qui se réalise pour moi ce soir. Je me rappelle quand j'étais en grande Ali section, McBeal, messieurs, dames. Et sans plus attendre, passons à la deuxième catégorie de ce soir, le meilleur scénario. Les nommés dans la catégorie sont... Greta Marmot, pour voler le jouet de sa copine, accuser quelqu'un d'autre et organiser son pugilat. Juliette Brioche, pour faire croire au CP que les toilettes sont hantées. Et le moutard du meilleur scénario revient à... Juliette Brioche. Juliette Brioche a complètement subverti le genre de la légende urbaine et elle a empêché 150 enfants de 6 ans d'aller aux toilettes pendant un mois. Un succès qui a impressionné le jury. Wow. Quelle soirée. Tout est possible, moutard. C'est quel honneur d'être ici devant vous. Pour vous dire, cette histoire, elle a commencé chez ma tante quand on a été privé d'Internet. Et je ne pouvais pas imaginer que ça irait aussi loin. Merci pour votre soutien, votre réaction. Je rêve que d'une chose, c'est continuer et inventer de meilleures histoires. Merci, merci à tous. Merci, Juliette. Bravo. Et maintenant, messieurs, dames, passons à la dernière catégorie de ce soir, celle que vous attendez tous. Elles sont des modèles, des phares dans la nuit. Elles nous inspirent et nous montrent la voie. Je veux bien sûr parler de nos actrices. Et les nommées dans la catégorie sont... Emma Thom, dans « J'ai très mal au dos quand papa vient me chercher pour qu'il engueule l'animatrice ». Angelina Poli, dans « J'ai pas frappé Thomas, il s'est fait ça tout seul ». Le moutard de la meilleure actrice revient à... Angelina Poli. Première nomination et première victoire pour Angelina. Après 3 années de judo et un premier film, J'ai cassé les dents de ma voisine de classe, qui n'avait pas fonctionné, l'actrice fait un comeback épatant sur le devant de la scène. Merci, merci. C'est moi, je l'ai. Merci, l'Académie. C'est grâce à vous, je l'ai. Je l'ai. Merci, maman. Tu m'as dit de croire au ciel. Je l'ai cru. Merci, Watson. Wow. Je l'ai. Je l'ai. Je l'ai. Pardon, Angelina. Oh
nom de toute l'académie, je vous présente mes excuses. Il y a eu une erreur. Bouge ! Le moutard de la meilleure actrice revient à... Emma Thome, messieurs, dames ! Emma Thome ! Non, non, non ! Le moutard de la meilleure actrice pour Emma Thome. On se souvient de sa performance exceptionnelle dans Blablaland, où elle avait discuté avec sa voisine de classe tout le long du contrôle de français sous haute surveillance. Emma ! Angelina, je vais vous demander... Non. Ah, bah si, 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 va falloir. Non, il est là, il reste là. Bel esprit. On se demande pourquoi l'académie t'a pas récompensé plus tôt. Et ton père, directeur d'école. S'il vous plaît. Ah ouais. Et Léo, tiens, en prison. Ouais, pour avoir tué ton papa. S'il vous plaît. S'il vous plaît, mais c'est pas vrai, mais... Arrêtez. Ça va, non? Angelina, tu rends. Non. Je disais, quand j'étais en grande section, c'est ma maîtresse qui m'a dit que je devais faire du cinéma. Je l'adorais. Elle avait le même parfum que ma maman et elle nous criait jamais dessus quand on comprenait pas. J'aurais jamais fait de cinéma si je l'avais pas rencontrée. Elle a changé ma vie. Jamais compris pourquoi les professeurs ont pas de cérémonie à eux. Combien d'enfants apprennent ce qu'ils veulent faire grâce à leurs professeurs? Apprennent ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils peuvent vouloir faire. Tout le pouvoir qu'on gagne, c'est d'abord eux qui nous le donnent. Alors ce moutard, Madame Dron, il est pour vous et pour tous les professeurs. Patients, vaillants, aimants, vive les enseignants! Un grand bravo au groupe 19 de l'ILEPS de CYSRJ Paris Université. On poursuit la soirée, cette soirée de finale avec le groupe 34 du CFA là-haut, avec Chloé, Alexis, Maxime, Hugo, Sanoé, Margot et Mathéo. Ils préparent en BTS Management Commercial Opérationnel. Leur relais est Aurore Vincent. Ils sont mis en scène par Barbara Monin. Le titre de leur scénette, les JO des MCO. Jeux olympiques des managers commerciaux opérationnels! Mais non, on peut dire MCO, c'est beaucoup plus facilitationnel. Exactement, Jason. C'est plus facile. Jason, notre grand vainqueur de l'année dernière. Ouais, alors en fait, c'est moi qui ai gagné parce que... Alors que nous voyons les concurrents s'approcher pour la première épreuve, l'épreuve du spam. Et c'est Marie-Thérèse qui s'élance. Très concentrée, Marie-Thérèse. Sourire, bonjour, au revoir, merci. Mais quel incroyable spam de la part de Marie-Thérèse. Ah oui, ça c'est un bel exemple de naturalisation et de fiabilisation. De naturel et de fluidité, exactement Jason. Voici notre deuxième concurrent, Jessica. C'est ma cousine. Sourire, bonjour, au revoir et merci. Mais quel dommage, Jessica, chouette sur le merci. Mais non, c'est tout, c'est l'accent du Nord, ça arrive, hein. C'est comme ça. Hein. Voici notre troisième concurrent, Henri, plus de 10. Sourire, bonjour, au revoir et... Merde! Quelle catastrophe! Henri, plus de 10, victime d'une rupture du zygomatique gauche.
C'est pas grave, ils vont se reconcentrationner. Exactement. Ils vont se reconcentrer, car voici la deuxième épreuve, la pose du manager. Et c'est le terrible Richard Dupont qui s'y colle. Ah, la pose. Chef, il n'y a plus de coquillettes. Commande à sort spaghetti. D'accord. Chef, j'ai une petite fille avec Pépi Barder à la caisse 3. Servière, désinfectant, bonbon pour l'enfant. Chef, il y a le camion de livraison qui a crevé. Téléphone, dépanneuse. Chef, je me suis brûlé avec le désinfectant. La fine. Chef, je pourrais avoir mon sablier. Oh. Chef, où est la bien fine? Attends. La gamme, la caisse 3, il y a quelqu'un qui s'appelle. Mais taisez-vous, madame Fénéan! Oh là là, mais quelle terrible erreur de management! Richard Dupont, que s'est-il passé? Une erreur de débutant, sûrement! Alors non, si je peux permettre, qui fait le malin tombe dans le ravin! Pas le temps de s'apitoyer sur leur sort, car voici la troisième et ultime épreuve, l'épreuve du buzzer! C'est moi qui fais. Alors, on va commencer par un facile. Qu'est-ce que ça veut dire? MCO. Militaire complètement ouf. Non. Manager commercial opérationnel. Correct. MEC. Militaire extrêmement confus. Non. Management d'équipe commerciale. Correct. MER. Militaire enfin rassasié. Non. Mise en rayon. Correct. RSE. Rater ses évals. Non. Rouler son équipe. Non. Rôter sous extra. Et non. Responsabilité sociétale d'entreprise. Correct. Et c'est presque un sans faute. Un grand bravo à l'équipe de la haute formation qui remporte ces Jeux Olympiques au Lama. C'est Jason et Jean-Jacques en direct. Et nous vous laissons maintenant avec l'hymne des MCO. Ils savent pas chanter, mais ça vient du cœur. Là-haut, on devient manager. Ah ouais, ça chante vraiment faux, ouais. Là-haut, le commerce. C'est trop nul. Là-haut, opérationnel à toute heure. Ah là, c'est pourri, là. Là-haut, MCO forever. Ah, ça, c'est beau. MCO forever. Merci au groupe 34 du CFA Là-haut. La soirée se poursuit avec le groupe 25 de l'EPSS de CYSRJ Paris Université. Avec Priscilla, Pauline, Alexia et Sophia, elle prépare en diplôme d'État éducateur spécialisé assistante de service social. Elles ont pas mal de fans dans le public. Leur relais est Agathe Pénicaud. Elles sont mises en scène par Belen Lorenzo. Le titre de leur scénette, Vice et Versa. J'aurais aimé commencer cette histoire par « Il était une fois ». Mais malheureusement, elle ressemble plus à un film d'horreur qu'à un conte de fées. Je m'appelle Eva, et aujourd'hui, devant vous,
J'ai peur. Ça va? Qu'est-ce qui t'arrive? T'as pas l'air bien? Non, ça va, je suis un peu malade en ce moment. Mais non, ça va pas, regarde. On dirait que t'es en pyjama. C'est pas une tenue. J'aimerais qu'on prenne un temps toutes les deux. Si t'as un problème, tu peux m'en parler. Elle, c'est celle qui va changer ma vie. Et elle sait pas encore à quel point. Je lui ai tout raconté. Les cris, le froid, la peur. Vous savez, celle qui ne vous quitte pas. Comme une sangsue. Ma compagne de tous les instants. Ah, ben enfin ! Merci, j'ai failli attendre. Salut tout le monde, ça va ? J'espère bien que non, que vous ayez tous mal. J'ai plaisir à m'immiscer dans toutes les situations, pourvu que ça se passe mal. Le doute, la colère, la tristesse, c'est moi. Plus ça souffle et plus je kiffe. Écoute, on va voir ce qu'on peut faire. J'ai pas de baguette magique, mais t'inquiète pas, je suis là pour toi. Tu vas devoir faire une épée et l'envoyer à la crypte. Elle va passer devant le GIE et en plus, vu les foyers qui sont blindés, elle va finir à la rue. Quoi? Ça veut dire que je vais te placer? Non, c'est pas ce que je dis. Mais c'est ce que vous avez pensé. Si, 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 on va même le dire à tes parents. Ah non, pas les parents. Moi, c'est pas ce que je voulais. Je voulais seulement que tout s'arrête. J'aurais jamais dû vous le dire. Et puis je vais aller où? Je vais devoir changer d'école? Et puis on va me harceler? Je vais être toute seule? Je préfère crever! L'histoire qui se déroule sous vos yeux, c'est aussi l'histoire de celles qui nous viennent en aide. Car elles savent mieux que personne, comme parfois la vie peut être laide. Y a pas de... Être assistante sociale, c'est une bouée de sauvetage. Un saut sans étage. Y a pas de remède dans la misère. Les services sociaux, quel que soit l'usager, c'est cette bouée. Alors on peut ne pas la saisir, s'engluer, s'engloutir, ou la saisir. Parce qu'elle est là. Malgré les embûches, le manque de moyens, les lenteurs du système. Avec un peu de mouvement et de cœur, cette bouée peut nous aider à regagner la terre ferme, sain et sauf. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Qui c'est qui m'a mis ça là, sérieux? Oh, l'amour? L'amour, c'est toi. Hé, je t'attends, l'amour. Viens, ramène-toi. Bon, question de budget, je suis aussi l'amour. Donc la confiance, la solidarité, l'empathie, l'espoir, c'est moi. Ouais, ça va, hein, tu vas pas me foutre la sénette en l'air pour une fois que c'est moi qui ai le premier rôle en plus. Et tu sais quoi, l'amour? De toute façon, qu'est-ce que tu vas faire? Moi, je fais ce que je veux. Comme d'hab la peur, moi d'abord, toujours moi. Ça suffit maintenant. J'ai pas choisi ce métier pour me laisser envahir par toi. Alors, si tu permets... Ensemble. Tous ensemble. On va aider Eva. Vous êtes sûre? On va s'accrocher. Je vous fais confiance. Voici mon histoire. C'est une histoire vraie. Celle qui a fait que je suis moi-même devenue assistante de service social. Ce n'est pas un conte de fées, mais j'ai eu la chance qu'il se finisse bien. Et c'est ainsi que le vice de la peur versa dans l'amour. Un grand bravo au groupe 25 de l'EPSS du CFA de CY Cergy Paris Université.
Nous allons accueillir l'avant-dernier groupe de cette finale 2024, le groupe 58 de l'UFA d'Avignon, lycée Pétrarque, avec Chloé, Hugo, Lucie, Maxime et Enzo. Ils préparent un bachelor assistant ingénieur en biotechnologie. Leur relais est Sabrina Wickert. Ils sont mis en scène par Sophie Mangin. Le titre de leur scénette, édition spéciale Intelligence artificielle. C'est le JT de l'heure qu'il est. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Édition spéciale Intelligence artificielle, voici les titres de l'actualité. Des disparitions inquiétantes au sein d'un campus universitaire. Il semblerait que cela soit dû à des poubelles connectées. Des étudiants auraient été aspirés. La police enquête. Arrestation dramatique aux États-Unis par un robot connecté. La justice est démunie. Peut-on juger une intelligence artificielle ? Et nous retrouvons maintenant notre envoyé spécial Peter Stone au sein du laboratoire Sanoflex, spécialisé dans la recherche sur les chaises connectées. Peter, est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que vous me recevez ? Oui, Pierre-Hervé, je suis actuellement avec le professeur Laroche, directeur de l'unité de recherche On n'a pas le temps, du laboratoire Sanoflex, qui est sur le point de mettre sur le marché des chaises connectées. Professeur Laroche, vous êtes à l'aube d'une première mondiale. Mais une question se pose, à quoi servent ces chaises connectées ? Par exemple, ces chaises connectées serviront pour les personnes atteintes de sclérose en plaques, dont les lieux publics sont inadaptés. Nos chaises connectées, reliées directement à leur téléphone, leur permettront une mobilité non entravée. Et où en êtes-vous de vos recherches ? Nous venons de finir les tests cliniques et nous passons à la mise sur le marché. Et quand peut-on espérer enfin s'asseoir sur une chaise connectée ? Une fois les financements disponibles, nous mettrons en vente la chaise dans les 6 mois à venir. Merci, professeur Laroche. Tout cela est passionnant. Je vous retrouve dans quelques instants pour une plongée au cœur de cette innovation qui va sans contexte révolutionner notre quotidien. À vous, les studios. Merci, Peter. Mais comment est-ce qu'on peut expliquer les IA ? Eh bien, c'est très simple, Marie-Pierre, en 2 mots. Intelligence artificielle. Merci Pierre-Hervé pour cette explication scientifique. Mais il n'y a pas de quoi, Marie-Pierre. Et nous retrouvons maintenant notre envoyé spécial, Peter. Peter, est-ce que vous êtes toujours sur place ? Oui, Pierre-Hervé, alors aujourd'hui nous assistons à un moment historique. Je suis maintenant avec Monsieur Gallet, assistant ingénieur au laboratoire Sanoflex. Monsieur Gallet, pouvez-vous nous expliquer ce que vous êtes en train de faire ? Eh bien, j'effectue les derniers contrôles microbiologiques sur la surface de la chaise, tout en respectant la norme ISO 45 et la conformité HACCP. Le protocole est supervisé par Sabrina, notre supra, ultra, méga, hyper intelligence artificielle. Sabrina lance l'analyse de l'échantillon. Mesdames et messieurs, c'est passionnant! Réinitialiser le protocole. Sabrina, que se passe-t-il? Sabrina? Effectuer une pression sur la chaise. Faites un signe. Erreur système. 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 La liaison a été interrompue. Peter, est-ce que vous nous entendez ? Peter ! Marie-Pierre, je me permets de vous interrompre. Je reçois des informations de dernière minute. Une horde sauvage de chaises connectées se serait échappée du laboratoire Sanoflex.
et aurait envahi le boulevard de Strasbourg dans le 10e arrondissement de Paris. Les autorités vous recommandent la plus grande prudence si vous devez emprunter cet itinéraire. Il est maintenant plus tard que l'heure qu'il était. Notre journal est terminé. Et quoi qu'il en soit, n'oubliez pas, sagesse, modération, intelligence artificielle, équation parfaite dans les biotechs. Bravo, groupe 58 de l'UFA d'Avignon, lycée Pétrarque. Déjà le dernier groupe de cette finale, le groupe 115 de l'EPMT avec Aurélien, Evan, Pierre Imen, Charles Eden, Gabriel, Johan et Léa. Ils préparent un BTS Management Hôtellerie Restauration. Leur relais est Pierre Mendès. Ils sont mis en scène par Anaël Alexandre. Le titre de leur scénette, La passion nous transporte. Un jour, j'ouvrirai mon propre resto. Plus tard, je serai un grand chef. Hé, c'est sûr qu'elle va regarder. C'est normal, je suis trop un beau gosse. C'est moi le meilleur au fourneau. Je vais rien lâcher. Je veux leur faire goûter ma cuisine. C'est ce soir que tout se joue. L'excellence ou rien. Attention à la marche en descendant du train. Chef, oui, chef! Ce soir, au restaurant, on a 934 couverts à sortir, donc va falloir... 932, chef! Il y en a deux qui ont annulé au premier rang. Gabriel, qu'est-ce que j'ai déjà dit 1000 fois? On ne doit jamais... M'interrompre pendant que je parle! Voilà, donc comme je le disais... On ne doit jamais vous interrompre! Bon, messieurs, je pense que vous avez pas bien saisi l'enjeu. Ce soir, on a 932 couverts et les jurys du Michelin dans la salle. Quoi? Ceux des pneus? Oh. Non, mais espèce d'imbécile! C'est des étoiles au guide Michelin. Sérieux, les gars? On part du livre rouge qui récompense les meilleurs. Celui qui décide de la vie ou de la mort des restaurants. Être ou ne pas être étoilé. That is the question. Les gars, venez. C'est ce soir que tout se joue. Donc montrez-moi ce que vous avez dans le ventre. Chef, oui, chef! En place. C'est ma recette, je veux leur faire goûter. Messieurs, dames, votre dos de cabillaud, nageant en dos crawlé dans la Seine. Messieurs, dames, votre canard, percuté par un Airbus.
Mais c'est ta faute! Ah ouais, c'est de ma faute! Non. Vous êtes sérieux là? Ça joue les bonhommes, c'est même pas capable d'envoyer une assiette! C'est toujours pareil. Wouhou! Je sais pas ce que vous avez servi au jury, mais visiblement c'était pas bon. Laissez faire les pros. Je vais rattraper le service avec mon charme et ma sensualité. Oh! Et tu te crois où là? Mais de quoi tu parles? Mais quelle sensualité! Eh, hey, c'est les Michelin dans la salle, là. Et c'est pas comme ça qu'on va l'avoir, cette étoile. Mais il a juste le seum. Parce que moi, je suis 3 étoiles au Michelin du Love. Oh, mais qu'est-ce qui se passe, là? Tous à vos postes! Chef, chef. J'ai pas entendu! Chef, oui, chef! Franchement, ça vous étonne qu'ils aient pas aimé? Y'a rien dans vos assiettes. Pas de goût, pas d'émotion, pas d'esprit d'équipe. Mais les gars, pour vous, c'est quoi le plus important dans la cuisine? C'est de la rigueur, chef! C'est de la technique, chef! De l'inventivité! C'est le charme du serveur, chef! C'est des produits, chef! Pas du tout! Mais non, mais c'est l'amour! Wow! Et c'est ça! C'est l'amour qui manque dans ces assiettes! Chef! Tous ensemble! On va cuisiner comme des passionnés! Alors, au fourneau et musique! Un grand bravo au dernier groupe, c'était le groupe 115. Mesdames et messieurs, j'aimerais qu'on fasse un tonnerre d'applaudissements aux 62 apprentis de cette finale 2024. Ils le méritent. Beaucoup, beaucoup de talent ce soir. J'aimerais une nouvelle fois que l'on remercie du fond du cœur celles et ceux qui nous permettent de vivre cette très, très belle soirée. Nos partenaires, sans qui rien ne serait possible. Merci à la CCI Film Formation et à la région Normandie. Merci à Sea Way Alliance, à l'Op Commerce, Opco2i, Acto, AFT Transport et Logistique. Merci à la région Île-de-France et enfin merci à France Travail. Merci de les applaudir. Derrière chacun de ces 12 groupes, il y a un organisme de formation des filières, des hommes et des femmes qui les accompagnent tout au long de l'année. J'aimerais que l'on remercie, comme il se doit, les directeurs d'établissement, de CFA et tous les acteurs de l'apprentissage. J'aimerais également qu'on applaudisse des gens très très importants, des gens indispensables à ce projet, qui accompagnent les apprentis au quotidien, qui nous aident à organiser les ateliers de répétition. Ce sont les relais. Un grand, grand, grand bravo à tous les relais. Et puis,
Je vais à présent appeler sur scène celles et ceux qui mettent leur talent au profit de ce beau projet. Je veux bien sûr parler des metteuses et des metteurs en scène. Merci de venir me retrouver. Les apprentis se préparent, ils vont vous saluer ce soir et ils l'ont vraiment bien mérité. Juste avant, j'aimerais accueillir sur scène deux personnages que vous avez vus pendant ce qu'on appelle les intersénettes. Deux grenouilles, comme on les appelle, un peu fluorescentes. Derrière ces grenouilles, il y a deux danseurs exceptionnels, deux danseurs avec beaucoup de talent. Je vous demande d'applaudir très très fort Yona et Elliot. Bravo. Ah, ils sont chauds. Ils sont chauds. Juste avant de les accueillir, j'aimerais prendre le temps de remercier toutes les équipes techniques qui sont aux manettes de ce projet et qui nous permettent forcément de vivre. Ah, ils sont très chauds. Ils sont très chauds. Alors, je vais aux manettes ce soir au topage. On avait dans toute cette édition 2024 Pierrick Neveu, Karine Marouto et Valérie Blais aux manettes ce soir. À la lumière et au son, Laetitia Panet, Tristan Biscogliosi, Eddy Coulagnier et Olivier Mage. Bravo à l'équipe vidéo avec Christelle Tournemine, Rémi Duhamel, Dorothée Barraud, Bruno Morisseau, Victor Jarosson, Éric Blanc, Elisa Gambert et Gaspard Messager. Et bien sûr, un grand, grand bravo à nos deux musiciens qui ont joué en live toute la soirée, Antoine et Théo. Bravo. Alors, je ne sais pas si vous l'avez reconnu, mais Antoine a joué du thérémine. Le thérémine, c'est le plus vieil instrument de musique électronique au monde. Ça fait des sons sans qu'on le touche, c'est très particulier et c'était exceptionnel. Merci beaucoup. Alors, c'est le moment de les accueillir. Ils sont derrière sur les deux, vous l'avez vu, ils sont bouillants. Merci de faire un tonnerre d'applaudissements aux 62 apprentis de cette finale 2024. On va le refaire. C'était un peu mou. Ils sont jeunes, ils sont fougueux, ils sont pleins d'énergie. Et ce soir, ils sont déchaînés. On va le refaire avec plus de punch. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour les 62 apprentis.
Merci beaucoup. Au revoir. À tout à l'heure et on croise les doigts. Merci pour cette belle énergie, les amis. Alors, messieurs et mesdames, les membres du jury, c'est le moment le plus délicat de la soirée. Vous allez devoir aller désigner l'édition 2024 d'Apprentissaine. Voilà, merci d'aller rejoindre la salle de délibération. Je vous le rappelle, 5 prix ce soir vont être remis. Le prix du public, chers amis, devoir voter pour un prix spécial France Travail. Et après, nous remettrons le troisième prix, le deuxième prix et le prix Apprentissaine 2024. Voilà. Est-ce que vous avez des coups de cœur dans la salle? Bon, on verra si ce sont les mêmes que les membres du jury dans quelques instants. Alors, pendant ce temps, on va un peu se divertir. Vous les avez vus en début de soirée. Ils sont chanteurs, ils ont des voix de crooner. Ils vont nous ambiancer pendant une bonne vingtaine de minutes. Ils sont en train de se préparer parce que là... Les apprentis sont en train de quitter le plateau et il y a du monde, donc il faut vider le plateau. Voilà, donc Pierre Darmon et Yannick Clerc vont nous retrouver sur ce plateau. Voilà. Juste après, bien entendu, on retrouvera le jury pour la remise des prix et après, tout le monde voilà, terminera sur scène. J'aimerais profiter de ce moment pour remercier le CFA BTP Rueil-Malmaison qui nous fabrique... Les trophées que vous allez voir dans quelques instants, les trophées donc, que l'on remet aux apprentis, ce sont des apprentis qui fabriquent ces trophées. On dirait des Césars, ils sont dorés, ils sont magnifiques, on les adore. Et on me dit que les artistes sont prêts pour vous ce soir pour enflammer la scène du Théâtre Libre. Merci d'applaudir très très fort Pierre Darmon et Yannick Clerc. Put your loving hand out, baby. I'm begging. Allez, on veut voir tout le monde debout, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Yeah, come on, come on, come on, come on. Begging, begging you. Put your loving hands out, baby. Begging, begging. You let me go. Anytime I bleed, you let me. When I pray, when I seek, just let me go. I'm on my knees, but I'm begging, 'cause I don't wanna lose you. I got my heart so fresh. I hope that my heart gets fast. Matter of fact, girl, girl, I'm begging. What the good thing? What we got good shit, don't embrace it. What the feel of the need of replacement? You want a wrong retract from the good? I want a better picture, tell you why that it could be out. Like a hole in the way should. You're not giving away you happy, then it's true. You pay for that, but I keep holding on. Keep hoping though that block we walk for the car with yours. You keep losing hope, 'cause I don't wanna live in a broken home. No, I'm begging. Just
ça va pas du tout, y'a des gens qui sont encore assis. Hey, on vous voit. Allez, on se lève, on se lève, on se lève, on se lève. Tout le monde, tout le monde. Tout le monde, faites du bruit. Begging you, put your loving hands out, baby. I'm begging, begging you, put your loving hands out, darling. Begging, begging you, put your loving hands out, baby. I'm begging, begging you, put your loving hands out, darling. Est-ce qu'on peut avoir du bruit? On en fait une autre ? On vous entend pas, est-ce qu'on en fait une autre ? C'est beaucoup mieux. Allez, let's go. Celle-là, je suis sûr que vous la connaissez. Do you remember September, the lover changing the mind of pretenders, while chasing the clouds away. Hearts were ringing in the key that our soul was singing, as we danced in the night. Remember how the stars stole the night away. Oh, 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 oh. Yeah! Allez, on continue ou pas? N'hésitez pas à chanter avec nous si vous les connaissez. Yeah, yeah, hein. Yeah. C'est parti alors. Yes, merci. Don't worry about a thing.
Don't worry about a thing. We get on the night. Don't worry about a thing. Don't worry about a thing. Don't worry about a thing. I know we'll be alright. Don't worry about a thing. Don't worry about a thing. Don't worry about a thing. I take you to the future. Forget about the past. You can keep all your secrets. I swear to now and ask. Let's go along your troubles. I don't care where you've been. The only thing that matters now is where tonight we land. These bright big lights are shining on us. That beat's so tight, it makes you wanna get up, get down. Like there's no tomorrow. Like there's no tomorrow. Like there's no tomorrow. Je pense que vous pouvez faire plus de bruit que ça. Est-ce que vous en voulez encore? Ok. Est-ce que vous voulez les résultats? Ça bah, c'est pas encore. Il faut attendre. C'est parti pour la suite. All right. Alors pour ça, il faut être debout. Je suis désolé, on peut pas être assis sur cette chanson. Levez-vous, 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 levez-vous. All right. For them hood girls, them good girls, three masterpieces, styling, wildin', living up in the city. Got chucks on with Saint Laurent. I gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot, hot dish. Call the police and the fireman. I'm too hot, hot dish. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot, hot dish. Say my name. Hallelujah.
sign a check. Julio, give a stretch. Right to Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi. If we show up, we're gonna show up. Smoother than a French dog skipping. I'm too hot. Got a police new fireman, too hot. Hot damn. Make a dragon wanna retirement. I'm too hot. Hot damn. Say my name, you know who I am. I'm too hot. I'm about that money breaking down. Girls, it's your hallelujah. Girls, it's your hallelujah. Girls, it's your hallelujah. Cause I'm Tom Funk, gon' give it to you. Cause I'm Tom Funk, gon' give it to you. Cause I'm Tom Funk, gon' give it to you. Well, it's Saturday night, we get this pop. Don't believe me, just watch. Come on. Ok, toutes les mains. Before we live, I would like to tell a little something. Tous ensemble, ça fait Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Et là, ça fait Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Come on, ça fait Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. When it's Saturday night, we in the spot. Don't believe me, just watch. Come on. Ha! Woo! Don't believe me, just watch. Ha! Woo! Don't believe me, just watch. 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 Hey! Super. Yeah. Vous dansez super. Alors on va vous prendre en choriste, vous êtes super. Allez, on en fait encore une. Allez, on en fait une dernière. Allez, encore une. Non, non, il faut plus d'énergie que ça. Est-ce qu'on en fait une dernière? Ok. C'est parti alors. Alright. I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn them on. All through my city, all through my home. We're flying up no ceiling when I'm in the zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. Feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes above it. Moving so phenomenally. Room on like the way we're dropping. So don't stop. And under the light, when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When you move where you already know, just imagine. Just imagine. Nothing I can see but you when you dance, 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 dance. Good, good, creeping up on you, so just dance, dance, dance. Come on, all the things I should be you when you dance. Something magical. Magical. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. You don't need no reason, don't need control. We fly so high to ceiling where we in the zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that gold soul in my feet.
beat, I have blood in my body. When it drops, ooh, I can't take no much of it. Moving so phenomenally, come on like the way we rock it. So don't stop, stop. And under the light, when everything rolls, nowhere to hide when I'm getting you close. When you move, you already know. So just imagine. Nothing I can see but you when you dance. Pretty good, good grip enough on you to do this. Come on! All things I shouldn't do. So just dance, dance. So just dance, dance. Can't stop the feeling. So just dance, dance. Can't stop the feeling. So keep dancing. Allez, toutes les mains, toutes les mains. Clap, 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 clap. I can't stop the. Pierre et Yannick, merci beaucoup. On va continuer. Hein. Allons-y. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous faites désormais partie de la famille Apprentissen, donc forcément. Ben on est très heureux. On en merci est beaucoup. Heureux. Merci à vous. Bravo à tous. Bravo bonne à soirée. Tous. Alors. Les membres du jury sont en coulisses, ils ont fait leur choix. On va bientôt savoir qui sont les lauréats de cette édition 2024 d'Apprentissen. Juste avant, les amis, tous les apprentis, on va vous diffuser une vidéo. On a notre parrain, le comédien, scénariste et metteur en scène Alexis Michalik, qui souhaitait vous adresser un message avant les résultats. On l'écoute tout de suite. Bonjour à tous, je suis Alexis Michalik, le parrain de cœur de cette édition, de cœur seulement puisque je ne peux pas être avec vous en présentiel. Néanmoins, je voulais vous dire quelques mots avant d'annoncer les grands vainqueurs de cette édition et vous dire que, surtout pour tous les autres, c'est pas grave. Le but du théâtre, ça n'est pas de gagner, hein, c'est pas une compétition sportive. Tout ça est soumis à une appréciation qui est une appréciation subjective. Il est évident que le plus important, c'est que le public soit content. Et si le public a été content de vous soutenir et de vous admirer aujourd'hui, alors vous êtes tous gagnants. Le théâtre, c'est pas comme au sport où il y a un premier, un deuxième, un troisième. Évidemment que là, on va pouvoir célébrer, on va être ravis. Mais souvenez-vous que l'essentiel, c'est d'être monté sur ce plateau. L'essentiel, c'est d'avoir raconté ses histoires. L'essentiel, c'est d'avoir partagé ses émotions entre vous et avec le public. Je vous souhaite un gros merde, comme on dit, et j'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à être sur scène. Merci beaucoup Alexis Michalik. On va préparer les trophées sur la scène du Théâtre Libre, voilà, pour les remettre aux lauréats de cette édition 2024. Je vous le rappelle, 5 prix vont être remis. Le prix du public, votre prix. Le prix spécial France Travail, le troisième prix, le deuxième prix et le prix Apprentissen 2024. Alors, tous les apprentis sont là-haut, ils nous regardent, ils me regardent et je... Euh,
Je tenais vraiment, vraiment à vous dire merci, merci à toutes et à tous. Il faut avoir énormément de courage pour monter sur la scène d'un théâtre quand c'est la première fois. Vous êtes à des années-lumière de cet univers. Vraiment, un grand merci. Vous pouvez vraiment vous applaudir très, très fort. On est en train d'installer... On est en train de finaliser l'installation des trophées. Dans quelques instants, on va accueillir les membres du jury. Voilà. Le public, vous avez bien voté ? C'est bon ? Tout est OK ? Alors, dans quelques secondes, le rideau va s'ouvrir. On commencera par le prix du public, justement. On verra qui vous avez plébiscité ce soir. Et ensuite, ce sera le prix spécial France Travail. Vous êtes en forme, les apprentis ? Un peu stressé ? Ok, d'accord. Bien sûr. Alors, tout se met en place, tout se met en place. Et je vous rappelle que ces trophées ont été réalisés par le CFA BTP Ruelle Malmaison et toutes les équipes de Pierre Gomez. Ce sont des apprentis qui ont fait ces magnifiques trophées que vous allez découvrir dans quelques instants. Voilà. Je pourrais faire une petite danse. Là, je dois meubler. Mais on est bientôt prêts. Voilà. Valérie, tu me diras, bien entendu. Alors, bien sûr, j'aimerais remercier les deux personnages, les deux personnes grâce à qui nous sommes ici ce soir, au-delà des partenaires. Ce sont les fondateurs de ce merveilleux projet, fondé il y a 22 ans. Apprentissaine a été fondée il y a 22 ans par deux personnes, Olivier Motte et Pascal Sandoz. Merci de les applaudir très fort. Bah, figurez-vous qu'ils vont s'adresser à vous dans quelques secondes. Ils sont en coulisses également avec les membres du jury et ils ont deux ou trois mots à vous dire. Alors, est-ce qu'on est prêt pour la remise des trophées et pour l'annonce du verdict ? Bah là, on est chaud bouillant, on attend que ça, tout le monde est prêt. On est un peu suspense, oui, je te confirme que c'est vraiment le suspense. Je ne sais pas, j'ai pas de blague qui me vient là comme ça tout de suite. Ce serait chouette quand même qu'on découvre les membres du jury. Hein, Valérie ? C'est merveilleux. On m'annonce que le plateau est enfin prêt. Mesdames et messieurs, merci d'applaudir les membres du jury de cette finale 2024. C'est impressionnant. Hein. Ouais, merci. Ouais, c'est impressionnant. Pas... Alors, ouais. Je vous l'avais dit, je suis venu avec Olivier Motte et Pascal Sandoz, les fondateurs d'Apprentissage. Alors, bien, bonjour. On va essayer de faire vite parce que. On va essayer de faire vite parce que je pense qu'il y a des gens qui attendent, enfin surtout en haut. Merci à tous, mais ça, on va le dire maintenant. On a juste un petit mot, nous. On va pas faire de discours ce soir. Ça sera pour une autre fois. Mais on a vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. C'est de rendre des hommages ce soir, nous deux, avec Olivier. On voulait faire ça, donc je lui donne la parole. Oui, parce que c'est vrai, ce soir-là, le soir de la finale, on donne des prix, on donne des trophées aux apprentis, donc aux metteurs en scène et aux relais. C'est bien normal, mais il y a d'autres personnes qui méritent énormément de notre plaisir que vous avez eu à voir tous ces jeunes ce soir. Ce sont des gens, on va dire, qui travaillent un peu dans l'ombre, mais avant tout, ce sont nos partenaires. Et parmi nos partenaires, il y a des gens qui travaillent autant, si ce n'est plus que nous, en tout cas avec nous en permanence. Ce sont les équipes opérationnelles
de nos partenaires. Et on voulait ce soir, particulièrement avec Pascal et toute l'équipe des alternateurs, les faire monter sur scène et leur remettre des prix. Alors, à votre nom, j'espère que vous allez venir assez vite, parce que si vous êtes là-haut, ça va être compliqué. Ouais. Pour l'Op Commerce, je souhaiterais avoir au plateau Graziella, Rimedi et Sophie Ogdé, s'il vous plaît. Pour Acto, Audrey Eskenazi, je ne sais pas où elle est. Pour Opkodosi, je ne sais pas s'ils sont là ce soir. Jérémy Serra et Fleur Bataillé. S'il y a Stéphanie peut-être qui peut venir. Mais en tout cas, on voulait les saluer ce soir. Et puis Pascal. Alors moi, je voudrais de l'AFT Vincent Lazus. Alors je ne sais pas s'il est là. CY Alliance, Amandine Guerrero. Alors, Amandine. On est sur scène. Et du CCI, Isabelle Piwit. Isabelle, Amandine, venez nous retrouver sur scène. Alors. Voilà. Allons-y. Ce sont des personnes qui, quand on parle de partenariat, c'est véritablement un partenariat avec nos partenaires, parce que nous travaillons toute l'année avec eux, et on fait partie de la même équipe. Est-ce que on va te remettre également un prix. Voilà, ça y est, tu l'as, tu es chargé. Est-ce que pour les autres qui ne sont pas là ce soir, ils nous regardent peut-être à la télé, alors coucou, vous avez un prix, il faut venir le chercher là. Sans ça, pour les autres, vous le ramènerez, bien entendu. Voilà, on voudrait enchaîner tout de suite et remercier, je sais que l'équipe... Alors merci beaucoup, merci. Peut-être vous avez un mot à dire. Est-ce que vous voulez faire un petit mot avec les... Allez, venez. Venez, on fait une photo. Voilà, une photo. Allez. Un mot peut-être. On va immortaliser ce moment avec... Alors bravo à toutes. Comme personne ne prend la parole, je vais la prendre. Il faut bien quelqu'un. En tout cas, nous, ça fait 6 ans qu'on participe au projet ApprentiScène au sein de la CCI Ouest Normandie avec nos apprentis. On n'a jamais eu la chance d'aller jusqu'à la finale. Et donc, l'année dernière, on a, avec la région Normandie, mis en place une sélection régionale qui nous a permis d'emmener 2 groupes de la Normandie ici. Même si notre CFA n'est pas présent, on est fiers d'avoir accueilli les Normands ici. Et encore, merci à ApprentiScène. Avec Acto, on est très très fiers d'avoir initié l'apprenti tour. Et d'avoir fait monter pour la première fois sur scène un groupe d'outre-mer. Merci aux alternateurs d'avoir permis ça. Merci. Au nom de l'Op Commerce et du commerce en général, déjà bravo à tous les jeunes qui sont montés sur scène, parce qu'il faut avoir du courage. Vous en avez plus que moi là maintenant. Et surtout, c'est toujours un bonheur de revenir. Pour nous, c'est la 4e édition. C'est 5 soirées en 4 ans. Donc juste merci pour tout. Merci à vous. Merci à vous. Amandine. Bonsoir. Amandine de CY Alliance. Moi, j'arrive en retard, désolée. Un peu la course, j'étais au dernier étage en fait. Merci à toute l'équipe des alternateurs, ça y est, la 5e édition pour nous qu'on travaille avec eux. Je ne m'y attendais pas qu'on monte sur scène, je ne me suis pas préparée. La honte. Merci aux... Merci beaucoup. Merci pour votre soutien et votre confiance. Merci aux 2 groupes finalistes de CY Alliance et merci à tous les groupes qui ont participé cette année. Merci beaucoup à vous. Voilà. Merci. Bien. Bon, l'année prochaine, on fera un groupe avec les OPCO. Hein. Voilà. Juste un petit mot. Je sais que les équipes techniques ont été déjà remerciées. Merci, mais je voulais juste faire un petit mot à des gens qui sont un petit peu en régie dedans, à l'intérieur, et qui sont là depuis 15 jours. On ne les a pas sortis. Ils ont très chaud. On leur donne un peu à manger de temps en temps. Mais ils vont aller au pot tout à l'heure. Je tiens beaucoup à remercier Valérie Blin. Valérie Blin. Et
Et celui qui a fait des éclairages magnifiques, surtout Apprenti Scène toujours, c'est mon grand camarade et notre grand camarade qui est depuis le début avec nous, de même que Valérie Blin, Olivier Mage. Merci Olivier. Alors, avant de passer la parole au jury, parce que là vous trépignez, on a salué les équipes opérationnelles de nos partenaires. On voudrait aussi saluer toutes les équipes opérationnelles et les équipes de production des alternateurs. J'ai nommé Kelly Ashler en directrice de production. Théo Divano au social media manager. Shaima Outmouin, community manager, Ajar El Katabi, chef de projet, Louis Tolleron, responsable vidéo et bien d'autres choses, Louis. Nicolas Lebel, Sani Amadi, Alexandra Huet, Isabella Spira, Clara Motte, mais également Ananda Teboul, à la régie plateau, Basile Couffier, Anaï Guayana-Marès, et puis les vidéastes, l'équipe de vidéastes Loïc Bernard, Louis Souvestre, Matteo Colzi et François Crampon, que vous avez peut-être vu, qui est le photographe. Voilà. Alors, tu as oublié quelque chose. Tu as oublié des gens qui sont importants aussi dans l'équipe. Je crois. Des alternateurs. Alors je pense qu'on peut faire venir sur scène là ce coup-là Keren Eisenberg, Olivia Provost, Emma Thomas, Émilie Dumont et Manon Chamama. Bravo les filles. Et Manon Chamama. Merci à vous. L'équipe des alternateurs au complet. Bravo les filles, bravo. Et tu fais jet. Bravo, bravo. Bravo. Bon, et on peut dire un peu girl power quand même ce soir. Bravo. C'est ce qui s'appelle la nouvelle génération. On voulait vraiment vous remercier parce que cette opération n'existe aujourd'hui, et c'est vrai, c'est pas parce que je suis sur scène et que je suis devant vous là, c'est qu'elle n'existe aujourd'hui, et le succès vous est dédié parce que vous avez travaillé tellement depuis un an. Bravo, bravo, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci à toutes. Voilà. Merci. Et pour finir, et après, on laisse la parole à Jett. On voulait remercier Jett. Oh, regarde, ouais. C'est nous. Voilà. Salut. Ça, c'est un prix pour toi. Parce que Jean-Étienne. Il a Jean-Étienne été. Est un garçon formidable. Il est manager de projet chez nous aux alternateurs. Et lui aussi, il a porté le projet, pas cette année, mais l'année dernière également. Un énorme merci à toi, Jett. Et quel vraiment présentateur. Merci. 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 Merci beaucoup. Alors, on va enchaîner là avec le vif du sujet, la remise des prix. Déjà, j'aimerais bien savoir qui veut prendre la parole un peu pour nous dire deux mots sur la soirée que vous venez de vivre. Qu'est-ce que vous avez ressenti en découvrant ces groupes? Je sens que vous avez envie de parler. Toujours, je suis toujours prête à parler, donc on peut y aller. Je dirais beaucoup d'énergie. Une vraie famille, c'est impressionnant de voir tous ces prix. Je félicite Olivier de reconnaître aussi bien ses équipes, les partenaires, tout le monde, parce que c'est magique de voir ça. Il est certain que si vous êtes tous là ce soir, c'est un travail de dingue depuis des années, mais surtout cette année. Donc c'est génial. Les jeunes sont fantastiques. Ils devraient peut-être changer de métier. Il paraît que vous allez lancer une appli pour les jeunes comédiens. Donc vous, je crois que là, il y a un vivier en fait. Voilà, donc il y a un super vivier de comédiens, vous pourrez peut-être avoir une double vie. Bravo à vous, et je passe le micro à qui? C'est le moment. Hein. Merci pour la promo surprise, parfait. Je ne connaissais pas Apprenti Scène, et incroyable.
Déjà, je pensais que vous seriez genre 20 et vous êtes genre 7000. Donc, c'est incroyable. Je me suis régalé. Effectivement, j'ai créé une société qui accompagne les aspirants comédiens. Donc, si vous voulez changer de métier, je sais que ce n'est pas forcément le but, mais je suis là. Donc, on s'appelle. Il y en a deux, trois, là, on va s'appeler. Bravo, merci, merci. C'était vraiment génial. Merci beaucoup. Alors, on va annoncer hein, le verdict. Il faut qu'on commence. Hein. Tout le monde est stressé, angoissé et impatient. On va commencer par le prix du public. Alors, qui va annoncer le prix du public ? En fait, je vais le faire avec toi, Samuel. Avec plaisir. Donc, le prix du public. Alors, il faut s'avancer, il faut y aller. Déjà, vous dire, vous avez tous gagné, parce que avoir les compétences que vous avez sur scène. Regardez, en entreprise, c'est magnifique. C'est magnifique. Bravo, vous avez tous gagné. Et alors là, c'est le public qui vous reconnaît ce prix. Là, non, je ne vais pas y arriver, il faut que tu le fasses toi, Samuel. Le peuple a parlé. Attends, ouvre-moi l'enveloppe. Allez. Alors, on va faire un décompte. Vous êtes prêts ? Ah. D'accord. 5, 4, 3, 2, 1. Le prix du public est attribué au groupe. On a la flamme. Promo Trans Gonesse. On a la flamme. Bravo. Bravo à eux. Grand bravo. Wow. Venez nous retrouver sur scène, les amis. Oh. Ils arrivent, ils descendent. On va les laisser redescendre. C'est votre prix. Ils arrivent du troisième étage, du coup ça va prendre un moment. Aïe, il faut un peu de temps. Et pourtant, ils sont dans le transport, alors ça serait quand même bien qu'ils arrivent. On les attend. On va les féliciter, bien entendu. François fera une photo. C'est bien là. Ils sont là, ils sont là, on les applaudit. Bravo, allez. Bravo. Déjà un. Et de un. Ils se font désirer en fait. Et de deux. Ils vont aller les chercher. Bravo. Félicitations. Et deux, trois. Bravo. Bravo. Et le 4. On a les 4. Oh, bravo. Hein. Ah ben non. Oui. Et deux, 5. Bravo. Mettez-vous mieux, c'est votre moment. Hein. Et deux, 6. Mettez-vous là. Mettez-vous là. Bravo. Regardez le photographe juste là, c'est bon. C'est votre prix, le prix du public 2024. Bravo. Alors, qui veut dire un petit mot sur ce prix? Qui veut réagir? Tous, c'est le prix du public, donc on remercie tout le public, tous ceux qui nous ont regardés en live. Je remercie aussi tous les autres groupes qui aujourd'hui ont fait des prestations incroyables, vraiment, j'étais surpris du niveau. Merci, merci à tout le monde. Faut savoir que c'était vraiment beaucoup de travail, beaucoup de stress, mais franchement une expérience incroyable. Et donc je vous remercie encore tous, je remercie le jury, je remercie tous ceux qui ont participé à cet événement, la régie, voilà. J'en oublie, mais merci, merci beaucoup. Merci, Jamy. Vous pouvez vous mettre sur le côté. Alors, on va enchaîner avec le prix spécial France Travail. Alors, Thibaut, je pense que vous allez... Bon, les deux, bien entendu. Vous pouvez vous avancer pour nous dire déjà peut-être un petit mot. C'est une première ce soir. France Travail s'associe à cette finale. C'est chouette, on est ravis. Ouais. Un petit mot sur ce que vous avez vu cette soirée et le prix du coup que vous allez remettre. Bah d'abord, on a vu comme l'année dernière, et c'était épatant. C'est, on a vu des métiers, de la passion, de l'envie. Spécial dédicace quand même aux conducteurs d'engins, parce que moi j'ai besoin d'un trottoir pour rentrer chez moi ce soir. Bon,
Moi, je repars quand même un petit peu flippé parce qu'avec des gens comme vous, bah, vous n'aurez pas besoin de France Travail. Et ça, c'est la bonne nouvelle du soir. Parce que vous êtes motivés, vous êtes formés maintenant, vous êtes accompagnés. Mais en tout cas, sachez que France Travail, c'est une maison qui est ouverte pour les jeunes, pour vous accompagner dans vos projets d'apprentissage, pour trouver un boulot, pour créer aussi votre entreprise. 150 000 demandeurs d'emploi ont créé leur entreprise. Donc, si vous avez envie de vous y mettre, on est là pour vous accueillir. Et puis surtout, on a envie de remettre le prix ce soir à ceux qui permettent aux autres de croire en leur avenir, de se faire confiance. Et donc, on a décidé de remettre ce soir le prix spécial France Travail avec évidemment l'unanimité du jury. À Vice et Versa pour le GRP 25 PSS du CFA de Cergy Paris Université. Venez nous retrouver. Ouais. On va le laisser arriver et qu'il descende deux étages. Le choix était difficile ou vous avez une évidence en coup de cœur? On aurait... Et là, moi, j'aimerais bien quand même... Là, ils vont réapparaître au rez-de-chaussée et qu'on leur fasse une salve d'applaudissements. Juste vous dire que le travail social et avoir le courage d'abord de raconter son histoire sur scène, de le partager et de montrer que derrière les difficultés, on peut rebondir, c'est génial! Bravo, bravo! Ah, elle est gentille quand même, la méchante! Bravo, bravo, bravo! Bravo, bravo! Bravo! Merci beaucoup. C'est le prix spécial France Travail. Voilà notre partenaire de cette finale 2024. Donc, un petit mot, les filles, sur ce prix, une réaction. Est-ce que... C'est toujours à moi qu'on colle ces choses-là. Bah, écoute, apparemment, t'aimes bien parler, non? J'aime beaucoup parler. Merci à France Travail de reconnaître notre travail. C'est très gentil. Pas mal. On est super content de participer à la future France. Voilà. Et on vous remercie tous d'avoir été là, de nous avoir donné de la force. Merci à tout le monde, tous ceux qui nous accompagnaient toute la journée. Tous les groupes, bravo. Dédicace à l'ILEPS. Merci à tous. Merci. Une photo, c'est bon, François? Génial. Encore un grand, grand bravo, les filles. Bravo, bravo. Je vais vous mettre sur le côté. Génial. Alors, on va poursuivre cette remise des prix avec le troisième prix de cette finale 2024. Avancez-vous, je vous en prie. Voilà. Et un petit mot, est-ce que ça a été... Vous avez eu un coup de cœur? Comment ça s'est passé? Oui, on a eu plusieurs coups de cœur même, ça a été très très dur de choisir. Bravo à vous tous, c'est très courageux de venir sur scène pour jouer devant tout le monde, c'est pas facile. Et j'ai envie de vous dire en fait que incarner vos métiers à travers le théâtre, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux et c'est ce qu'il y a de plus fort. Donc pour ça, bravo. Merci. Bravo. Tout pareil, globalement. Personnellement, enfin nous deux en fait, je pense, petit coup de cœur sur celui-là. Donc comme quoi, il y a eu deux coups de cœur de deux membres du jury, et pourtant on est sur le troisième prix. Donc ça veut dire que c'était très hétérogène, c'est ça le mot? Oui, c'était très très hétérogène. Et donc en fait voilà, on a un petit baromètre, un petit barème de notation. Et même si les notations variaient, on s'est toujours amusé. Enfin, moi, vraiment, à chaque fois, je me suis régalé. Donc, celui-là, particulièrement aussi sur le jeu, sur l'acting, vous avez toutes les trois quelque chose à faire. Ah, puisque le prix du public... Sur le... Alors, tout le monde ne l'a pas encore. Bon. Les principales concernées l'ont, mais tout le monde ne l'a pas. Du groupe qui remporte le troisième prix de cette finale 2024 d'Apprentissen.
Le prix, le troisième prix est attribué à... Je fais en mode Nikos. Les moutards. Ouais. Bravo, je vais meubler. Effectivement, un trio. Qui avait compris quand j'ai dit les trois féminin. Personne. Personne ne l'avait, c'est bien ce que je pensais. Il y avait un vrai suspense. 4. Ah ouais? Il n'y a pas que... Oui, mais j'ai dit 4. Vous avez entendu 3? Bizarre, le micro. C'était vraiment trop trop bien et vraiment dans la... Elles se sont perdues. Elles sont. Ils arrivent. C'est long. Ça va prendre un peu de temps. Non, vraiment sur l'acting. Deux c'était étapes. 10 sur 10 toutes les quatre. Trop fortes. Génial. Ah. Malheureusement, elles se sont trompées d'escalier. Elles sont dehors. Elles. Ah là, elles prennent un Uber. Elles sont là, le groupe Les Moutards. Ah génial. Oui, 4, bien sûr. Non, mais je suis fou. Bravo. Bonjour. Bravo, un grand bravo. Oh punaise. Alors. Je veux dire un truc là ? Bah oui. Ah non, c'est bien, c'est parfait, tu as déjà le micro, c'est nickel. Ah, pardon, merci. Je veux dire merci à Agathe surtout parce que bah c'est grâce à elle qu'on est là. Parce que. Ouais, vraiment, ouais, tout applaudir. Bravo. Vraiment, on n'aurait pas pu rêver meilleure metteuse en scène. Elle était incroyable. Elle nous a vraiment aidés. Et voilà. Je sais pas quoi dire. Tiens. On tenait à féliciter tous les autres groupes. Parce que c'est... Dédicace à l'EPSS. on a tous été incroyables. L'événement, il est incroyable, vraiment. Merci à tous et merci à tous d'être là. Un grand bravo. Alors je voudrais remercier ma mère pour ce prix. Non, merci à tous. Le public, vous avez été fou. Et vive Apprentissaine, tout simplement. Merci beaucoup les filles, un grand bravo, c'est le troisième prix de cette finale 2024. Bravo. Alors on va enchaîner avec le deuxième prix de cette finale. Qui remet le deuxième prix ce soir? Mathieu Mocor et Carrie Queen, on est ravis de vous accueillir ce soir. Déjà un petit mot sur ce que vous avez vécu. Vous êtes chaud ou pas ce soir? J'entends plus rien moi. Ah ouais. Bon, il y en a qui vont être deuxième, mais dans notre tête, vous êtes tous deuxième ou premier. Je tenais à vous le dire. Et il y en a tout à l'heure qu'on dit « on construit la France de demain ». Maintenant, vous avez un pouvoir magique, le pouvoir de pouvoir parler, vous exprimer. Franchement, utilisez-le au maximum, remplacez-nous le plus vite possible. Et allez-y à fond, dès que vous sortez de cette salle, emportez cette conférence avec vous, s'il vous plaît. Un grand merci à vous tous, vous m'avez régalé. Vous avez déjà tout compris. Même avant d'aller travailler, on commence à apprendre des trucs tous les jours, mais jamais en s'ennuyant, toujours en s'éclatant. Et en faisant le choix de venir ici toute cette semaine, c'est le signe que vous avez déjà tout compris. Il est hors de question de s'ennuyer au travail. Et moi, je vous dis bravo pour ça. Je les ai cachetés. Bon, on va mettre fin à ce suspense insoutenable. Et donc, le deuxième prix du jury est attribué ce soir à... Very Bad Client. Ouh.
retrouver sur scène, s'il vous plaît. Deuxième prix. Il leur faut le temps de descendre. Ça a été un vrai coup de cœur, Mathieu. Ils arrivent directement. Ah, on a la team la plus rapide. Bravo. Bravo. Bravo, un très très grand bravo à tous. Alors, qui veut prendre la parole? Je sens que t'es chaud. Allez, y va. Bah déjà, rebonsoir. Merci à vous pour ce prix. Merci pour l'aventure à Bronsen. Merci à Henri Man Formation. Merci à Raphaël, à Maxime. Merci à vous tous pour cette soirée. Franchement, c'est un vrai plaisir d'avoir participé à ApprentiScène. Ça a pris à beaucoup, je pense. Vraiment, bravo à tous, parce qu'on a tous un talent. Je suis un peu stressée, là. Et merci à vous tous aussi, vous avez géré. Et puis, merci à l'équipe technique, à toute l'organisation. Je me répète, mais c'est mérité pour eux. Alors, je dois le dire, Hulk content quand même. Je vais essayer de faire un meilleur discours que la semaine dernière. Je me rends pas compte de ce que, de où est-ce que je suis. Je me rends pas compte de d'où je viens. Mais en tout cas, merci. Hey, me coupe pas. Et j'aimerais remercier déjà le public d'avoir été tous là, parce que quand même un théâtre rempli, c'est pas rien. J'aimerais remercier tout le jury qui ont fait le déplacement ici. J'aimerais remercier, où est-il, Raphaël, qui nous a accompagnés depuis le début. J'aimerais remercier Maxime, qui... Notre formateur, notre grand formateur, qui nous a accompagnés depuis le début, avec, dans le public, Monsieur Brando, le directeur de l'école. Avec Fred aussi. Et Bruno. Et bravo à vous tous en haut, parce que vous avez envoyé quelque chose de fou. Encore une fois, en dehors de la compétition, vous avez été incroyable et incroyablement gentil. Je m'arrête là, ça devient long. Parti là. Allez, parti, ça y est. Mais t'as bien. La photo, c'est bon? Attends, on refait une photo, c'est quand même le deuxième prix, faut pas la foirer. François, t'es ready? Allez, on fait une photo? Une photo. Encore un grand bravo, c'était le deuxième prix de cette finale 2024. Alors, quel est le groupe qui remporte le premier prix, le prix ApprentiScène 2024?
Qui va danser le premier? Oh là là, je sens que... Oula, il y a un trio, carrément. Je donne le micro à Cécile Chiaduto. Un petit mot sur cette soirée, Cécile. Écoutez, moi, je vous dis surtout, n'arrêtez pas votre métier. C'est un métier de passion. Vous avez choisi une voie. Vous êtes l'avenir, vraiment. Les jeunes, vous êtes l'avenir. Moi, je vous aime fort. Et à chaque fois, je suis hyper impressionnée par ce que vous arrivez à faire. Et par contre, le théâtre, le chant et la danse, bah, vous pouvez y aller. Moi, ça me plaît. Alors, allez-y, continuez aussi. Vous pouvez faire les deux. Hein? C'est bon. Alors, attendez. Un petit mot après, on ferme. Un petit mot rapide, voilà, exactement. Un petit, ouais, voilà. Bon, bravo à toutes et à tous, c'est pas facile, surtout d'être ici. Ils sont jeunes, ils ont fait l'exercice. Le vainqueur, je vais pas l'annoncer tout de suite, mais il me tenait à cœur de le dire parce que c'est un métier que je pratique et c'est un métier où l'on transmet de l'émotion et de l'amour. Et ça, c'est super important. Et donc, émotion, amour, c'est aussi la raison pour laquelle on a tous eu un petit coup de cœur pour cela. Je laisse la parole pour pas prométerniser et être soporifique au dernier et après, c'est bon. Comment le dernier? Juste ce qui est extraordinaire sur des soirées comme ça, moi ça fait la deuxième que je vis, c'est l'enthousiasme. Et l'enthousiasme extraordinaire des équipes et des équipes qui participent. Et je peux vous dire que si chaque jour que Dieu fait, l'enthousiasme était comme ça pour chaque jour de nos vies, ça serait extraordinaire. Donc continuez comme ça, 365 jours sur 365 jours. Alors, attendez, on va faire un petit décompte, là, c'est le premier riz, ça déconne pas. Un décompte. Vous êtes prêts? Ouais. 10 Ah ouais, 10 Ouais. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. La passion nous transporte! La passion nous transporte. Il était là-haut, donc ils vont arriver en courant. Ils sont jeunes, ils sont fougueux. On les attend, premier prix de cette édition 2024, c'est pas rien. Oh là 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 là. Bravo. Alors, une vraie solidarité, on se trouve là-dessus. Allez, voilà. Merci. Bravo. Venez les lauréats 2024. Voilà. Mettez-vous bien devant la scène, c'est le moment de vous adresser à votre public. Vous êtes un peu les stars de la soirée. Qui veut parler? Allez, commence. Merci à tous d'être là, c'est incroyable. Merci au jury, merci au Régis Son, au Régis Lumière, merci aux grenouilles aussi, on n'en parle pas assez, je pense. Merci à tout le monde ici présent ce soir, et également notre metteur en scène, forcément. Le meilleur ! C'est grâce à lui qu'on est là. Alors, juste d'un mot, ils le disent si bien, la passion nous transporte, les jeunes et tous, hein, gardez ça toutes vos vies, parce qu'avec la passion, on peut tellement déplacer des montagnes. Et c'était mérité pour tout le monde, mais juste, il y a eu un travail perso de leur part. Ils se sont vus sans moi pour répéter, ils ont cousu leur costume. Ils étaient tellement à fond. Ça a été un honneur et un plaisir de bosser avec eux pendant un an. Merci pour tout ce que vous m'avez fait vivre. Merci. Bravo, bravo. Non, pas moi. Un, deux. Je vais d'abord vous parler de moi, pour commencer. Non, pour conclure tout ça en beauté,
bah, remercier tout le monde. Et je pense que c'est la synergie et l'énergie de tout le monde qui a été dégagée qui a fait que bah, la soirée est magnifique. Donc on peut tous applaudir, je pense. Bravo. Et un dernier mot. Merci encore une fois à toutes les équipes d'apprentissage qui étaient incroyables avec nous sur tout le séjour. Vraiment trop sympa, tout le monde est trop accueillant, trop gentil, ça s'est trop bien passé. Et je voudrais encore une fois remercier non seulement mon équipe, ma troupe, mais monsieur Alexandre, sans qui rien de tout ça n'aurait été possible. Il a fait un travail monstrueux et merci à lui. Merci beaucoup et encore un grand, grand bravo. Voilà, c'était la finale 2024 d'Apprentissen. Un grand, grand merci à vous toutes pour votre présence ce soir. Merci à nos partenaires. Merci aux apprentis, merci aux partenaires. Merci à vous. Prenez soin de vous. À l'année prochaine. On vous aime. Le temps.